Bonsoir à tous. Vous êtes formidables. Bonsoir Guillaume. Je suis très heureux de présenter cette convention avec vous et très heureux de partager ce moment avec vous tous. Et j'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter, parce qu'il est encore temps, une bonne année de santé et parce qu'on est en convention, une bonne année de prospérité aussi. Merci Benoît. Bonsoir à tous, bienvenue. On est très heureux de vous accueillir ce soir. Un petit peu d'anglais, welcome for our fellow colleagues in the IC group. Remerciements à vous, l'ensemble de nos collaborateurs, remerciements à nos clients et à nos partenaires qui sont là ce soir et qui nous accompagnent. Un petit remerciement et petit accueil également pour Madame la Présidente de la communauté d'agglomération du pays d'Aubagne qui nous écoute depuis la salle Agora à Aubagne. Thanks to all our colleagues for being with us tonight. Merci à nos collègues d'être parmi nous ce soir. Je suis convaincue que vous allez passer une très bonne soirée. Cathy, please join us. Cathy, surprise. Applaudissements pour Cathy, s'il vous plaît. C'est la petite surprise du soir. Cathy Tozer. Cathy, juste quelques mots pour la petite introduction et faire le tour des sites ensemble. Ce qui va se passer ce soir n'aurait pas pu se passer sans Cathy et sans tout le travail qu'elle a accompli depuis maintenant quelques mois. Merci. Thanks to Cathy. Applaudissements pour Cathy. Merci. Thanks to Cathy. Without nothing would have happened tonight, this evening, and we have spent a terrific year, and it's only the beginning. Tu restes avec nous. Tu restes avec nous. Quelques secondes, quelques minutes. Elle est apeurée. Elle se demande ce qui va se passer. Nous sommes en multiplex, le saviez-vous, avec 9 destinations. Et on va faire un petit tour, une petite tournée des popotes pour savoir si on nous entend un peu par-ci. On va commencer par l'Italie. On va commencer par l'Italie et on va se balader à Trieste. Est-ce qu'on me reçoit à Trieste ? Je dois normalement entendre Franco. Franco, est-ce que vous m'entendez ? Ils sont en train de prendre l'apéro à Trieste. Salut Trieste ! Ah, ça y est. Sorry. Franco. I was without je suis a microphone. Désolé, sorry. Je n'avais pas de micro. Franco, comment ça va ? Bien. Ah, very well, thank you. Très bien, merci. Vous êtes où, Franco ? Vous êtes dans un lieu magique ? Vous êtes où ? Yeah. Oui. We are in a castle. Nous sommes dans un château. Ils ne s'embêtent pas, les Italiens. Hein. Bon, super, Franco. Est-ce qu'on peut voir un petit peu ce resto, quand même ? Parce que ça a l'air très, très classe. Montrez-nous. Yeah, we are in oui. a old castle nous in the land dans of un château. Fantastic wine, the best wine et in the world. Et nous sommes obviously. Sur un vignoble parmi les meilleurs. Please. Ça a l'air sympa. Merci Franco. On se dit tout à l'heure, on va faire un petit tour à Trieste tout à l'heure. Maintenant, on va partir à Kourou, Guillaume. Ouais, et Kourou, oui, Kourou en Guyane. Kourou, m'entendez-vous ? Allô Kourou ? Oh. Oui, 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 on vous entend. Bonjour. Comment ça va, Kourou ? Très bien, très très bien. Vous avez l'air très très décontracté, Kourou, en chemise, en polo, tout va bien ? Quelle température, bah, Kourou ? Il faut s'adapter. Oh, on doit être dans les 29-30 degrés à peu près. Pas mal, tranquille. Je voudrais juste préciser que... À l'année, je précise. Ils ne sont pas sur une terrasse. Dans Kourou face à la mer, c'est une salle de réunion avec un excellent décor qui est derrière. C'est une vraie salle de travail. Les tricheurs. Merci Kourou, on était content de vous avoir. On va bien sûr vous retrouver tout à l'heure. On va faire un petit tour du côté de l'Angleterre. Est-ce que sur Halton on m'entend ? L'Angleterre ? Yay. Oui. Good evening. Can you hear us? Bonsoir, hello. Vous nous entendez? Oui, faites un peu de bruit les Anglais. Can you make some noise for us so we can hear you? Yep, stand we can up. Hear you. C'est nul. Relevez-vous, levez-vous stand les up. Anglais.
Stand up and jump around a little bit for us. Ah ouais, applaudissements pour nos amis britanniques, ça y est, elles se sont réveillées. So let's give a round of applause to our friends in Great Britain. Cathy, c'est le décalage horaire, ça. C'est l'heure en moins. Oui, c'est ça. Allez, merci les Anglais, on vous retrouve tout à l'heure. On va partir en Bretagne, Rennes, retrouver Eric. Eric, est-ce que vous m'entendez ? Benoît. Bonsoir Benoît, bonsoir à tous, bonsoir depuis Rennes. Bonsoir. On est chaud ici. Les Rennois et les Bretons, on est motivés, on est chaud bouillant. Ah, là, on reconnaît bien l'origine du groupe qui était à Rennes et le dynamisme des Rennais. Dans chacun de nos événements, ils sont toujours comme ça. Vous êtes où, Eric ? Vous êtes au stade Rennais, paraît-il. Nous sommes au stade Rennais. Absolument, dans le Bretz Club, au-dessus de la pelouse. Super, en club VIP. Merci, Eric. On se retrouve tout à l'heure, évidemment. Toulouse, m'entendez-vous ? Stéphane ? Ils sont où, les Toulousains ? Toulouse, oui. Nous, on est là. On est à fond. On est comme des fous, ici, à Toulouse. Eh oui, on est là. On vous permet de faire un gros coucou à Cathy Pepper, à qui on doit tout ça. Eh oui, on est tous là. Il y a même un petit peu de Bordeaux, un peu de Montpellier et beaucoup de Toulouse. Bref, c'est la région sud-ouest et je suis avec Jean, très bien accompagné, et ça va être la folie ce soir. Bon, et moi je vous embrasse fort. Hein. Une pensée particulière à Toulouse quand même. Cathy, la Toulousaine, forcément. Eh oui, Cathy, qu'on embrasse aussi. Super. On embrasse Cathy très fort. Bonne ambiance, merci Stéphane. Allez, ça va bien. On va partir à Aubagne. Dans l'Agora. On va partir à Aubagne. Vous m'entendez, Aubagne ? C'est pour nous. Franck. C'est pour toi. Est-ce que Franck est là ? Oui, bonsoir Benoît. Ouais. Bonsoir Benoît. Allez, tous ensemble. Bonsoir Benoît, bonsoir Paris. Ça va, Franck ? Oui, bonsoir Benoît, bonsoir Paris, bonsoir à tous. Très, 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 très bien. Et comme vous pouvez le voir ici, règne une ambiance. Ouais ! Olympique. Et un petit clin d'œil, évidemment, au PSG, qu'on salue bien bas, et tous nos... Ok, il trépignait, il l'a fait. C'est bon ? Merci, Franck. On se retrouve tout à l'heure, Franck. À Lyon, on retrouve Frédéric. Le Pays Lyonnais, est-ce que le Pays Lyonnais est là ? Pays Lyonnais. Oui, bonsoir Benoît. Ah, plus calme. Est-ce que le Pays Lyonnais est là ? Il va vous répondre, le Pays Lyonnais. Voilà. Le Pays Lyonnais est donc bien là. Voilà. Vous êtes combien à Lyon, à peu près, pour voir ? On est, selon la police, 500, selon les manifestants, 1000. C'est pas la quantité qui compte, c'est l'énergie, bon, tout simplement. Voilà, bonsoir en tous les cas Benoît, bonsoir Cathy et bonsoir Guillaume. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. On se retrouve tout à l'heure à Lyon. Passez une bonne soirée avec nous. Et enfin, on retrouve Strasbourg avec Claude. Est-ce que Claude m'entend à Strasbourg ? Claude, est-ce que Claude m'entend à Strasbourg ? Bonsoir Benoît, est-ce que vous nous entendez ? Oui, Claude. Règne une ambiance de folie à Strasbourg. Bon, formidable, alors. Ouais, si, vous... Attendez, écoutez. Vous entendez ? Oui, à peu près, un petit peu. Eh ouais. On a répété avant. Et bienvenue au Conseil de l'Europe ici à Strasbourg. J'ai près de moi Patrick Baderspach. Et contrairement à la température d'hiver, eh bien, à Strasbourg ici, on est chaud bouillant. Super. Merci Claude, se retrouve tout à l'heure évidemment pour un autre duplex. Merci Cathy. Bon, je pense que vous avez tous compté. Du coup, on est globalement sur l'ensemble des sites réunis, on est 750 ce soir. Et pour qu'ensemble on partage et on développe nos entreprises. L'objectif de cette soirée, se rencontrer, vous mettre en valeur, vous mettre à l'honneur et vivre nos savoir-faire pour ensemble voir plus loin avec nos clients qui sont pour partie là ce soir et qui sont clairement au centre de nos préoccupations quotidiennes et évidemment nos partenaires. Ensemble, partageons et développons cet esprit d'équipe que nous nous sommes attachés à insuffler depuis 2002. Merci Hervé.
Pardon, Guillaume. Merci Guillaume. J'anticipais déjà. Il est des moments importants de la vie d'une entreprise, Guillaume. À la manière d'une grande réunion de famille, nous allons parcourir les moments forts du groupe IEC. Et pour en découvrir ou redécouvrir les grandes étapes, j'ai le plaisir d'appeler son généalogiste en chef, Hervé De Galbert, président du groupe IEC, sous vos applaudissements. Bonsoir Hervé. Bonsoir à tous et bonne année puisqu'on en profite. Voilà. J'aimerais connaître l'histoire de votre groupe. Quelles ont été les étapes majeures? Je m'attends à une histoire singulière, tantôt rocambolesque. Comment ça a commencé Hervé? Alors bon, ça a commencé. Alors d'abord, il y a une vie avant Qualys. J'en parlerai pas beaucoup parce que d'autres l'ont beaucoup plus vécu que moi. Donc je leur laisserai la parole. Par contre, je peux vous raconter comment on démarrait les liens entre IEC et Qualys. Alors ça a démarré au siècle dernier, hein, en septembre 99, par une rencontre organisée par un banquier entre Emmanuel Santiago et nous. Emmanuel Santiago cherchait un actionnaire et un conseiller. Il était en actionnariat avec 3i. Il était un petit peu orphelin du prédécesseur avec lequel il travaillait. Et du coup, il cherchait quelqu'un, une alternative. On l'écoute, ça se passe bien. On trouve le projet très intéressant. Mais en fin de compte, on lui dit non. On n'avait pas le temps. Alors en bon breton, il nous rappelle en décembre 99. Et il nous dit en gros, bah, écoutez, j'ai fait le tour du marché et c'est vous que j'ai choisi. Alors ça doit être la fable du corbeau et du renard, mais en gros on s'est laissé faire et on a voilà et on, par faiblesse on s'est laissé faire. On lui a dit oui. Le deal était qu'on devienne majoritaire de l'entreprise en rachetant les actions d'un certain nombre d'actionnaires. Mais on était fin d'année, en décembre, il était fatigué, il avait eu donc l'introduction en bourse et le rapprochement avec ASV et du coup il a souhaité prendre des vacances et on a différé les acquisitions au mois de janvier. Et ça a de l'importance parce qu'il part à La Réunion. Là-bas, un cyclone le surprend. Il n'est plus joignable pendant quelques jours. Et pendant ces quelques jours, bah, une grosse partie du monde a changé. Si vous vous souvenez bien, la bourse est devenue folle. Sous l'impulsion de Perfect, le cours d'IEC est monté jusqu'à 800 millions de francs pour une entreprise qui faisait 100 millions de francs de chiffre d'affaires. Délirant. Du coup, on n'arrive pas à le joindre, il est loin, par correction, on ne vend pas nos actions, mais d'une manière ou d'une autre, voilà, on se retrouve sans pouvoir acheter effectivement les titres qui étaient prévus que nous achetions. Scénario incroyable, on est en plein dans Spielberg, science-fiction, réalité. Ce qui est dément, parce que je pense qu'on ne se souvient pas tout à fait, mais Perfect était une entreprise qui à l'époque faisait une vingtaine de millions de francs de chiffre d'affaires. Elle s'est fait passer pour une boîte internet et pendant la bulle, sa valorisation est montée à 2 milliards de francs pour 20 millions de chiffres d'affaires. Absolument délirant. Ça a tiré tous les cours vers le haut et du coup, le cours d'IOC en a profité et est monté à 800 millions de francs, soit à peu près 3 fois le cours actuel, 15 ans après. Ça vous laisse dire ce que c'était. Du coup, voilà, nous, par correction, n'ayant pu joindre Santiago, on ne vend pas nos titres. Mais par contre, tous ceux à qui on devait les acheter, évidemment, ils ont vendu leurs titres à des cours inespérés. Et on se retrouve donc, au bout d'un certain temps, sans pouvoir devenir majoritaire, la donne a complètement changé. En fait, vous deviez être majoritaire, vous vous retrouvez complètement minoritaire. C'est un investissement complètement foiré. Ah oui, d'autant plus que le cours s'effondre complètement. Santiago lui-même a vendu ses titres, et en mars, il nous dit, finalement, je m'en vais, je quitte l'entreprise. Donc on se retrouve, nous, exactement dans la position d'un minoritaire, sans la personne pour laquelle on est venu, tout pour plaire, quoi. Donc, c'est un investissement totalement foireux. Alors là, on peut dire, il n'y a pas pire que ça, en tout point. Aucun pouvoir, aucun moyen d'action, aucune liquidité. Pour compléter le tableau, en août 2000, le dirigeant de l'époque vient nous voir en nous disant que si on ne remet pas de l'argent instantanément dans l'entreprise, il dépose le bilan à la fin de la semaine, alors qu'on ne savait strictement rien des comptes de l'entreprise ni de ses résultats. C'est toujours agréable.
dans l'année qui suit, notre ancien commissaire aux comptes vient nous voir en nous disant, en gros, bah, finalement, vous avez une boîte là, dont vous ne faites rien. J'aimerais bien que vous m'aidiez à la reprendre. Bon. Donc ça a provoqué l'arrivée d'Olivier, que je salue bien bas, et sans qui beaucoup de choses n'auraient pas pu se faire. Donc bravo Olivier, merci. Il a précédé de quelques mois Alain, donc, qui a été vraiment, qui a lancé le début de l'aventure, à laquelle tous ont participé. Alain est devenu amoureux d'IEC. Il a porté réellement sur les fonds baptismaux pour amener l'entreprise là où elle est. Et c'est grâce à vous tous. Je passe sous silence un petit épisode rapidement. Un concurrent de l'époque nous avait proposé très aimablement de remettre de l'argent dans l'entreprise pour lui faire l'honneur de nous la racheter pour un euro. On a trouvé que c'était un petit peu délicat et ça a grandement motivé Alain pour le faire mentir durablement. Après, bah, tous, vous avez rejoint le bateau pour en faire l'entreprise qu'elle est aujourd'hui et le chemin parcouru est impressionnant. Alors je voudrais remercier quelques-uns, bien sûr, ceux qu'on a pu connaître dans le temps, quelques-uns de ceux qui étaient là avant nous, hein, je m'excuse de ne pas citer tout le monde, mais bon, Fred, Michel, Jean-Paul, Christian, Patrick, Didier, Jean-Claude, Philippe, Alain, Marc, même plusieurs Marc, mais aussi, bien sûr, Sarah, Radija, Rachida, Liliane, Isabelle, Sylvie, et tant d'autres qui m'excuseront de ne pas les citer. Il y a aussi ceux qui sont venus par Qualys, donc Alain, bien sûr, j'ai cité Olivier, et puis il y a aussi Yvick, Pascal, et puis on peut dire que la dernière venue, c'est Cathy, qui est venue par cet intermédiaire, et puis il y a ceux qui sont venus avec leur entreprise, qui ont grandement enrichi le patrimoine humain de l'entreprise. Là, je veux citer Thierry, Carole, Christophe, Patrick, plusieurs Patrick encore au pluriel, Pascal, au masculin et au féminin, et plus récemment, José, Bernard, Tom, Malcolm, et enfin ceux qui ont rejoint l'entreprise en y étant embauchés, Pascal, Frédéric, David, Loïc et tant d'autres. Enfin, je voudrais citer deux personnes qui ont contribué chacun à leur manière à l'entreprise. Vincent, qui du haut de ses responsabilités chez Sony, a grandement aidé Alain dans les acquisitions à suivre. Celles qui se sont faites, celles qui ne se sont pas faites, en gros. Mais voilà, il a contribué à guider les pas d'Alain et maintenant il nous a rejoints et c'est un grand bonheur. Et enfin, bien sûr, Guillaume, qui est le vrai successeur d'Alain, qui poursuit avec maîtrise et constance le cap fixé, et j'en remercie grandement. Dans une entreprise comme partout, il n'est de richesse que d'hommes, et là, je vous assure, on est bien servi dans l'entreprise. Hervé de Galbert, président. Merci pour ce témoignage. Allez, je vous emmène à présent à la rencontre des filiales qui composent le groupe IEC, et dans la famille Broadcast, je demande le film Cap Ciné. Cap Ciné est la filiale du groupe qui offre la palette globale de l'ensemble des métiers de la post-production. Cap Ciné a la capacité en parc de fournir par exemple l'ensemble des moyens de montage, image et son d'une émission de télé-réalité. Cap Ciné a la capacité d'intégrer une unité de post-production dans une chaîne de télévision en allant jusqu'au workflow, dessiner les workflows d'archivage les plus pointus. Et depuis cette année, Cap Ciné a également en fait une plateforme unique qui permet d'offrir à ces mêmes utilisateurs, producteurs, post-producteurs, chaînes de télévision, toutes les palettes de formation dédiées en fait à ces métiers de la post-production. Cap Ciné, c'est avant tout un esprit de famille et c'est cette proximité que les clients viennent chercher chez nous. Ce qui nous caractérise, c'est le climat de confiance qu'on établit avec nos clients au quotidien et notre disponibilité. La partie Cap Ciné, c'était à la fois réfléchir le projet en amont jusqu'à l'allumage des machines et la maintenance. Le matériel est en constante évolution, donc ils sont toujours en train de me faire voir l'avenir. Cap Ciné, ce serait l'écoute et le conseil. C'est à la fois une banque, parce qu'ils sont en capacité d'investissement pour
prêter du matériel. Quand il y a des drames, on peut appeler Capciné. Ils ont... Voilà, donc ça fait assurance aussi, assurance, banque, loueur, prestataire, ingénierie aussi. Donc ça, tout ça dans un seul métier, je sais pas, ça s'appelle Capciné, je dirais. Et on accueille sur le bateau David Fontaine et Vincent Hautefort, sous applaudissements. Bonsoir messieurs. David, vous êtes leader en France, vous êtes le chouchou, vous êtes la société préférée des producteurs et des post-producteurs, mais vous exercez un métier à forte valeur ajoutée, mais il n'en a pas été toujours ainsi. Quel était le métier de départ de Capciné ? Le métier original de Capciné, en fait, à l'origine, c'est vraiment l'allocation de moyens de post-prod, ce qu'on appelle vulgairement le système à vide. On a commencé par mettre les premiers systèmes à vide en flycase pour assister les producteurs, les chaînes de télé à les louer sur des périodes courtes. Et puis, quand ils ont eu envie de les acheter, on a développé un département vente. Et puis, petit à petit, en fait, on a muté l'entreprise pour qu'elle puisse avoir un organe sur chaque chaîne de valeur en fait, de la post-prod. Donc, on est présent sur l'audio, sur l'intégration, sur l'archivage aujourd'hui, sur des systèmes de workflow type Media Asset Management. On est capable aujourd'hui de vraiment de faire le tour d'un client à partir de son besoin en post-prod. Voilà. Quelle est la demande du client justement en ce moment ? En ce moment, en fait, on a affaire à ce qu'on appelle de plus en plus de programmes de flux. La télé-réalité en est l'illustration parfaite. Et aujourd'hui, ce qui est compliqué dans la post-production moderne, c'est d'attaquer un montage avec beaucoup, beaucoup de rush, des milliers d'heures de rush. Une émission comme Koh-Lanta, c'est plus de 1500 heures de rush. Et ce qu'on va demander en fait, aux moyens de post-production et donc aux prestataires, c'est d'avoir les capacités de sécuriser ce stockage et surtout de donner la disponibilité à des monteurs de monter très, très vite 10, 15 épisodes d'une heure et demie dans des laps de temps qui sont très courts, parce que l'économie d'une émission de télé-réalité, il faut qu'elle soit montée vite pour qu'elle soit vite à l'écran et vite rentable. Et donc, on est passé en fait, d'un système stand-alone dans un flycase à des post-productions de 12, 15, 16 monteurs qui montent sur des pétaoctets de données, de médias, dans un temps record. Voilà. Vous êtes incontournable sur l'Access Prime Time, le Prime Time, ou vous êtes sur le Grand Journal, sur l'émission de Ruquier, vous êtes partout. On est assez polyvalent. Oui, à cette heure-là, je pense qu'on a quelques monteurs qui sont en train de s'énerver sur nos systèmes. En bien, hein, je vous rassure. Ils tombent rarement en panne. Mais c'est vrai que là, on vient de finir le Prime, enfin l'émission quotidienne de Laurent Ruquier, où il y a beaucoup de systèmes de Capciné qui sont en jeu. Il y a le Grand Journal qui tourne en ce moment. Il y a Yves Calvi qui a dû finir C'est dans l'air. Et c'est vrai qu'on est assez présent sur cette tranche de programme de la journée. Merci David. Voilà. Changement dans le métier, transformation et mutation aussi chez les hommes, Vincent ? Oui, c'est vrai que pour assurer le suivi de tous ces systèmes, il a fallu que nos équipes évoluent. Et pour permettre à ces équipes d'évoluer, de se renouveler et de rester dynamiques, c'est vrai qu'on a pris l'habitude de puiser dans le vivier que sont les BTS en France. Et ça fait maintenant, je crois, 14 ans, je crois qu'on a la V14, on l'appelle comme ça, de notre contrat de qualif, qui se succède d'année en année. Et là où je pense qu'on fait le bon choix, c'est que quand on regarde l'équipe de Capciné aujourd'hui, il y a plus de 70% de l'équipe qui sont des anciens contrats de qualif qui ont intégré l'équipe et ceux qui n'ont pas pu intégrer l'équipe faute de place, pourtant ils le voulaient. Ils ont fini chez IEC Events. Ils sont soit chez IEC Events, soit chez nos clients, ce qui est, je pense, la preuve de notre qualité, puisque nos clients font appel à nous, même pour leur recrutement. Et voilà. Non, mais c'est vrai que c'est un vivier de formation. Il y a quelques techniciens qui sont d'abord passés par Capciné pour venir après dans le monde de l'événementiel, dans le groupe IEC. C'est un peu le formateur de... Des techniciens. Au-delà de la formation, je pense qu'on essaie aussi de leur inculquer une culture de la relation client et de la manière d'aborder le métier qui est à la fois sérieuse et décontractée. David, Vincent, les envahisseurs du PAF. Merci pour vos témoignages. Allez,
Toujours dans la famille Broadcast, regardons le sujet de présentation des filiales Preview et Qualtech. J'ai créé Preview en 1995 pour offrir à nos clients broadcasters une offre complète, intégrée, de systèmes de télévision professionnels qui comprend l'architecture, la conception et la réalisation de ces systèmes. Ces systèmes peuvent se décliner soit en fixe, en solution fixe, soit en solution vidéo mobile, qui sont d'ailleurs les vidéos mobiles la principale référence de Preview et la principale activité de Preview. Plus récemment, nous avons avec le groupe décidé d'élargir le spectre des offres de Preview avec aussi une activité solution et aussi une activité support. Pour accompagner l'évolution des métiers de nos clients, nous avons, avec une équipe d'ingénieurs IT, développé des compétences de maîtrise d'œuvre et d'expertise dans la gestion de données, le stockage, l'archivage, la publication de vidéos. Pour apporter des solutions globales à nos clients, les équipes Qualtech complètent l'offre de Preview en mettant leur savoir-faire et leurs compétences au service des professionnels. Nous assurons le support, l'entretien et la réparation du matériel broadcast en atelier et sur site. Ce que viennent chercher les clients chez nous, c'est notre capacité d'écoute et la pertinence des offres qu'on peut leur proposer. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est la diversité technique des projets sur lesquels je travaille. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller au fond des choses, faire des préconisations, améliorer nos processus pour garantir la satisfaction de nos clients. Ce que j'aime dans mon métier, c'est l'innovation et l'enrichissement auprès de partenaires externes sur les projets de recherche et développement. J'aime mon métier pour l'esprit d'équipe et le dynamisme qu'il impose au quotidien. Je suis passionné par mon métier car il me permet d'aller plus loin et de découvrir de nouveaux horizons. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est le design et l'innovation afin de satisfaire les utilisateurs. Donc Preview, c'était, je crois qu'on n'a pas une rature sur le patch. Ce qu'ils ont livré, c'est encore ce qu'il y a écrit. Ils avaient tout pré-câblé chez eux. Pour nous, Preview, c'est une valeur ajoutée parce qu'on savait qu'ils faisaient partie du groupe. En un mot, la valeur ajoutée de Preview, la précision. Mettre mot, c'est précis, tout était précis. Ce que j'aime dans mon métier, c'est défendre l'image de marque de Preview à l'international. C'est la flexibilité d'un artisan avec la rigueur d'un industriel. Thierry Pouget, vous êtes le créateur de Preview. Comment on se lève un matin et on crée une entreprise comme ça? Comment on se lève un beau matin? Oui. Très tôt. Très tôt, et comment on se dit, tiens, je vais créer Preview? En fait, ça n'a pas trop d'importance, le créateur de Preview. Ce qui est important, c'est le concept. Le concept de départ qui fait qu'une entreprise décolle, qu'une entreprise puisse fonctionner. Et ce qui est important aussi, c'est de remettre tout le temps en question sa stratégie, de telle sorte que l'entreprise en question puisse continuer d'évoluer et même de perdurer, parce que c'est l'objectif évidemment principal. C'est votre concept ? L'idée au départ de la création de Preview en 1995, en fait, c'était de proposer à nos clients une sorte de clé en main complet, intégrant en toute indépendance, et c'est important d'ailleurs, à la fois une offre équipement et surtout une offre complète d'ingénierie allant de la conception jusqu'à la mise en exploitation, je dirais, du système considéré. C'est ça le vrai concept de Preview à l'origine, et c'est une sorte de mariage, je dirais, entre les notions de compétence et la notion de liberté suprême. Et c'est même devenu un leitmotiv que tout le monde a bien entendu et que tout le monde connaît bien, ses compétences et libertés. Et c'est ça le concept de Preview, en fait. Parlez-moi des Obi-Wan. Je sais que vous êtes très émotif quand vous les voyez partir. Oui. J'allais y venir. C'est vrai que je dirais qu'une autre dimension pour créer et essayer de réussir une entreprise, il faut aussi une dimension... je dirais humaine et passionnelle surtout.
Et moi, ma passion, je reconnais, ça a toujours été celle-là. Et je pense que maintenant, c'est trop tard, ça restera toujours. En fait, c'est une passion pour les quarts de reportage, les quarts de télévision, ce qu'on appelle les obivans. C'est la conception, le design, l'architecture et même la fabrication d'un obivan. C'est vraiment quelque chose, c'est un véritable trip. Ça fait quoi, finalement, d'être dans un événement comme ça et de savoir qu'un des quarts qui a quitté Épinay et qui se trouve, finalement, dans le hall d'accueil et qui, aujourd'hui, gère l'ensemble de l'événement, qu'est-ce que ça doit être tu vas faire le VRP pendant toute la soirée pour faire en sorte que les 400 invités puissent découvrir l'intérieur du quart. C'est vrai que c'est très sympa. Quelque part, je dirais, parce que j'ai quand même un certain âge, c'est presque boucler la boucle. Mais je crois que j'ai encore plein de choses à faire. Mais je suis très content, évidemment, très fier que ce quart soit là. J'invite d'ailleurs tout le monde qui serait intéressé à aller voir. Parce que c'est vrai que c'est hyper sympa, quoi. Vraiment très sympa. Merci au passage, d'ailleurs. Avec plaisir. Et puisqu'on parle de passion, c'est vrai, vous en parliez, Benoît, tout à l'heure. J'ai dû voir sortir au moins 200, peut-être même 300 obivans dans ma vie. Et c'est vrai qu'à chaque fois que l'un d'entre eux s'en va, j'ai toujours une petite larme à l'œil. C'est ça la passion. C'est touchant, merci, c'est sympa. C'est aussi un métier d'humain, un métier d'émotion. On fait un métier d'émotion. Eric Olayer, comment vous avez rejoint Preview ? Bah, en fin de compte, il y a maintenant à peu près 6 ans. Je cherchais à créer une activité d'intégration IT broadcast et je cherchais, pour créer ce type d'activité, à m'adosser à une grosse société parce qu'on ne peut pas, malheureusement, créer ce type d'activité en partant de rien. Il faut une solidité financière qu'on ne peut pas avoir très rapidement en tous les cas. Mmh. Et j'ai rencontré à cette période-là Thierry, qui cherchait lui aussi à développer son activité et à donner un nouvel élan à cette activité qu'il avait déjà bien développée. Et il a trouvé cette idée pertinente du fait que les systèmes devenaient de plus en plus informatiques et qu'il était nécessaire d'y associer en fin de compte cette composante IT. Donc on s'est rencontrés, j'aimais bien la personne, Thierry, qui avait créé sa propre société. J'avais au préalable travaillé dans une société qui avait été également créée par une personne qui avait à peu près les mêmes valeurs que Thierry. Et on s'est retrouvé là-dedans et l'histoire a commencé. Comment c'est parti cette société, le développement ? Parlez-moi un peu de... Bah, le développement au début c'était un peu dur parce que c'était un nouveau type d'activité qui n'était pas forcément... connu par le marché, attendu mais pas connu, donc il a fallu en faire la promotion. Et on a eu la chance, au bout d'un an, avec Massoud Razani, qui m'avait rejoint pour créer cette activité, de gagner nos deux premiers gros dossiers, qui étaient KTO et le PMU. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est des clients qui nous sont restés fidèles, et l'activité s'est bien posée. On a même depuis, en fin de compte, créé une activité de R&D dans ce domaine, autour du projet Panama. Et on a pu, en fin de compte, recruter plein de jeunes ingénieurs informaticiens qui, j'espère, peuvent s'éclater sur un projet très innovant où les projets, la plupart du temps, informatiques ne le sont pas forcément. Oh, puis vous avez gagné un gros dossier, c'était TV5. Tout à fait. TV5, c'est un peu l'aboutissement de cette association avec Thierry où on a mis en avant l'ensemble des compétences du groupe et les différentes équipes de Preview, qu'elles soient système, qu'elles soient... solutions ont pu travailler la main dans la main pour réaliser ce projet et je crois qu'aujourd'hui le client en est extrêmement satisfait et je crois qu'avec Thierry on est également très satisfait d'avoir réussi ce projet ensemble et en pouvant y associer l'ensemble du personnel de la société. Ça m'amène à venir vers vous Pascal parce que vous travaillez main dans la main avec Qualtech. Comment ça se matérialise cette belle synergie? Bah, tout
Tout d'abord, Qualtech, donc prestataire de services, et nous ne vendons que du service. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, on a travaillé avec Eric, avec Thierry, sur le dossier TV5 pour apporter notre savoir-faire dans ce domaine-là. Je pense que ce qui est intéressant sur ce dossier, c'est le besoin du client, qui était de faire de la maintenance premier niveau sur toute sa chaîne depuis l'acquisition jusqu'à la diffusion, maintenance préventive et curative, mais surtout avec une présence d'une équipe technique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc c'était le challenge de ce dossier-là pour la partie service. Vous avez donc créé cette hotline ? Alors, c'est encore une activité qui a été créée en parallèle, mais c'est le début de Qualtech avec la partie labo. On a aussi créé une activité hotline, tout d'abord pour Avid, donc le constructeur Avid, qui nous confie ses contrats de hotline, notamment pour un de ses clients, France Télévisions. Ben voilà, beau projet de synergie. Applaudissements pour cette belle synergie. Et deux beaux intras entrepreneurs au sein du groupe qui finalement sont partis de quasiment rien et ont créé des activités from scratch à l'intérieur d'un environnement qui leur a permis de développer tout ce qu'ils décrivent aujourd'hui et toutes ces valeurs appuyées certes par des sachants du domaine. Merci messieurs. Merci. Allez, après le broadcast, place à présent à la cellule marine. Welcome on board avec la société HMS, dont nous découvrons le sujet tout de suite. HMS a été présent sur à peu près 80% des paquebots qui sont sortis des cales de Saint-Nazaire depuis les années 80. C'est un marché qui est complètement internationalisé et l'intérêt, c'est qu'HMS a accompagné cette internationalisation. Un des plus grands atouts d'HMS, justement, c'est de pouvoir intervenir là où naviguent les flottes. Le partenariat est fortement basé sur la confiance mutuelle, qui suppose d'ailleurs le respect mutuel, le respect de l'autre dans son savoir-faire, dans ses pratiques. La valeur ajoutée d'HMS, c'est à la fois un savoir-faire technologique incontestable, à la fois une attitude de co-réalisateur partenaire dans les projets, et enfin, c'est une société qui est toujours en mouvement et à la recherche du progrès pour accompagner ses clients sur la performance et sur les niveaux de prix de marché. HMS, bienvenue Carole, Thierry. Merci. Bon anniversaire, vous avez 30 ans ? Exactement, Benoît, j'ai 30 ans. Bon HMS anniversaire. Bon anniversaire à HMS. HMS a 30 ans, effectivement, et je pense qu'on peut saluer Michel Charles, qui est ici au premier rang et qui est son fondateur. Michel, si tu veux bien te lever, s'il te plaît. Michel, bon anniversaire, 30 ans de création, 30 ans d'histoire, c'est pas rien, 30 ans d'histoire. Quelles ont été les grandes étapes d'HMS, Carole ? Et 1983. Création d'HMS au Havre en partant de zéro. 1986, une ouverture à Miami d'un site qui va prendre de l'ampleur et qui va se développer. Et en Italie, très vite, en 1989. Donc HMS est vraiment une société internationale avant d'être française, puisque la majeure partie de ses activités se déroule dans le monde entier. Vous avez parlé de Miami. Il y a des gens à Miami ? Eh oui, il y a des gens à Miami. Il y a des gens qui travaillent à Miami ? Eh oui. Alors, on va essayer de voir si Christophe Grignon est à Miami et s'il nous entend. The world. So, let's talk about Miami. Are there some people in Miami? Is Christophe Grignon in Miami? Let's give a warm welcome to Miami. Hello, Paris. Can you hear me? Yes. Bonsoir, Paris. Vous m'entendez? Hello, oui. Applaudissements. Christophe.
Vous êtes à Miami, vous êtes le DG d'HMS. Quelle est votre mission? Pourquoi en Floride? Il n'y aurait pas du pistonnage dans l'air, travailler en Floride à Miami? No. Non. En fin de compte, Miami, c'est le lieu parfait. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que c'est là que se trouvent nos clients et les principaux acteurs du monde. Ils sont tous là. Et c'est pour cela qu'en 1996, Michel a choisi ce lieu. Et j'ai eu beaucoup de chance. Et merci de m'avoir demandé de jouer le rôle de maître d'orchestre. Quelle est votre mission, Christophe, à Miami et pour HMS? Pour HMS, je suis en charge du groupe parce que je suis le DG et je gère l'activité locale. Et je m'occupe également de l'équipe italienne et de l'équipe française depuis un an bientôt. Bravo, belle mission. Merci. Merci à vous. Moi, j'aimerais bien aller en Italie aussi, voir Franco. Est-ce qu'on n'irait pas voir Franco Zini nous parler des nouveaux projets d'HMS? Je crois qu'il y a des choses dans les cartons. Il y a des projets, nom de code Piano, Princess. Est-ce que Franco Zini, vous m'entendez à Trieste? Thank you. Oui, now, merci. Yes, in this moment we have, écoutez, à l'heure actuelle, nous avons trois projets intéressants qui émanent de PNO, trois sociétés Princess. Différentes. PNO, Princess and Costa. The new PNO cruise ship is very important. La nouvelle croisière PNO, c'est très important pour HMS. Et pour la première fois, nous sommes des consultants directs des armateurs. Nous ne sommes pas simplement un intégrateur système. Cela signifie que nous avons la possibilité de spécifier le produit, de le spécialiser et de trouver les meilleures solutions du marché. We are now longer passing nous sommes on technical specification désormais spécialistes des spécifications techniques des autres. And nous nous préoccupons de nos clients finaux et de much closer than we were bien plus proche de ses clients que ce n'était le cas auparavant. Nous nous fondons sur nos 30 ans d'expérience et nous avons les dernières technologies de dernière génération pour répondre aux besoins de nos clients. S'agissant du nouveau projet PNO, nous nous concentrons sur un système audio innovant pour les principaux salons qui se trouvent à bord des paquebots. Ce que nous faisons, c'est que nous équipons tous les sièges en utilisant l'acoustique française, en réalité la meilleure acoustique au monde. Sorry. Moreover, on the same de plus, dans les mêmes locaux, pour la première fois sur un paquebot, nous avons élaboré des systèmes mobiles, transportables, qui se fondent sur nos technologies. Et il s'agit là de cloisons, de panneaux qui proposent sur scène des spectacles virtuels. Sur Princess, eh bien, nous avons le meilleur système LED avec 80 mètres carrés d'écran. Nous sommes en train d'élaborer de nouveaux systèmes qui sont intéressants en matière d'éclairage avec des LED de dernière génération. Et de façon individuelle, on peut contrôler eh bien, tous les câbles, les 50 km de câbles. HMS have made HMS standard in the cruise ships a permis sur ces paquebots de faire en sorte que le divertissement soit au rendez-vous sur ces paquebots, donc au cours de ces 30 dernières années. Merci Franco pour ces beaux projets. Piano, Costa, Princess, grande référence.
Puis, on pourrait peut-être poser une question à Christophe. Je ne sais pas s'il faut la poser en français ou en anglais, mais trois sites avec des synergies à créer entre les sites, avec des chantiers en Italie, en France, et puis du refurbishing depuis les États-Unis. Comment il fait ? Si Christophe est encore à Miami. Hello, can you hear me? Bonsoir, vous m'entendez? No, in fact, en réalité, it's pretty simple. C'est assez simple. What we do, in fact, ce que we nous handle faisons, the complete chain between c'est design, que innovation, nous gérons integration l'innovation, service. L'élaboration, le service, l'intégration. C'est essentiel à nos yeux. Say, I mean, ideas in motion remain in les motion. Idées en mouvement reste whatever en mouvement, c'est un peu notre slogan. Donc, quelles que soient les idées que nous ayons, eh bien, nous les mettons en application, nous élaborons la conception. Nous sommes très impliqués dans le design, la conception, nous travaillons à l'intégration. Normalement, cela se fait en Europe. Et grâce à l'aide de l'ensemble de l'équipe ici, de Miami, le soutien, les achats, etc., c'est géré par Miami. Et lorsque le bateau est prêt, eh bien, il part aux États-Unis et l'équipe locale ici s'occupe de l'entretien des services pendant la vie de ce paquebot. Merci Christophe. Vous êtes un petit vénard, profitez-en. Merci Carole d'être venue nous voir et bravo. Et c'était un zoom sympa, 30 ans HMS. Merci Carole. Dans la famille distribution, je demande à présent la société Indelware. Indelware, nous sommes grossistes audiovisuels et visioconférences. Nous exerçons ce métier depuis une trentaine d'années. Indelware, c'est une société passionnante parce que nous travaillons avec des produits sans cesse en innovation et qui changent globalement tous les 6 mois. Nous avons des partenaires qui nous présentent de nouveaux produits à peu près tous les 6 mois. Quand on multiplie par le nombre de marques que nous distribuons, ben, ça fait une entreprise toujours à la pointe du progrès audiovisuel. C'est une entreprise qui est très sensible au mode de distribution. Donc on est vraiment, depuis une dizaine d'années, on est très axé sur le numérique et le commerce digital. Donc voilà, notre plus-value, elle est véritablement à la fois dans le choix des produits, dans la promotion de produits à valeur ajoutée, également dans le mode de commerce. Et nous accompagnons nos clients en offrant une gamme de services. Nous avons créé une marque qui s'appelle Logisys, dans laquelle on offre des packs de services pour accompagner nos clients qui sont exclusivement B2B. Voilà, et nous souhaitons ne travailler que dans ce segment de marché de l'audiovisuel, de la visioconférence et du B2B. Nous avons, pour donner un ordre d'idée, nous travaillons avec plus de 1000 clients actifs sur une année. Mon métier en tant qu'acheteuse chez Indelware, c'est de travailler en collaboration avec Marc Campola, d'être à l'écoute des fournisseurs, des remontées terrain, afin de prendre des options sur du stock et d'avoir toujours des produits disponibles pour les commerciaux. Mon métier en tant que commercial chez Indelware, c'est de connaître la tendance du marché, d'anticiper les besoins futurs de mes clients pour leur proposer le bon produit disponible au bon prix. Donc chez Indelware, on a compris que la vente de demain, ça passait aussi par le service. Donc nous proposons une gamme de packs Logisys, Logisys Quiétude, Logisys Sérénité, Logisys Hotline pour l'accompagnement du client au-delà de ses ventes de matériel. J'ai rejoint Indelware il y a 5 ans pour m'occuper de l'économie digitale. Nous sommes convaincus qu'il s'agit du mode de distribution de demain. Les hommes d'Indelware sont là. Bonsoir messieurs. Bon, alors vous, c'est le commerce, hein, c'est votre marotte. Business, commerce. Racontez-nous un peu. C'est notre passion. Mais il vaudrait mieux que ce soit les équipes qui sont sur le terrain qui en parlent. Nous, on préfère que ce soit vous, en fait. Ça y est, on se couvre derrière le chef, toujours. Chef. Toujours. Allez, chef. Non, pas du tout. Effectivement, nous, on a un métier de commerce, donc notre plus-value, elle est dans la vente. Elle est dans l'adrénaline de réussir des contrats.
La culture du chèque, la culture du virement, le plaisir, la marge. Et donc, effectivement, c'est un mode de vie qui est favorisé par le fait que nous avons une équipe très compétente, très soudée. Et je préférais vraiment que vous leur donniez la parole. Parce oui, du business, oui, c'est bien. Ah, ça y est, c'est surtout lui. Du business, c'est bien, Uber, oui. Mais on ne fait pas du business comme ça, n'importe comment, à tout prix. La principale chose à faire, c'est déjà d'être présent chez le client, d'être proche de son client. On a la chance d'être une équipe assez réduite, certes, mais on travaille vraiment d'une manière soudée. Et donc, c'est d'accompagner le client, d'être toujours présent chez le client pour détecter les affaires qui vont sortir. Et moralité, être le premier sur l'affaire et pour pouvoir coter et vendre nos produits en priorité, plutôt que le client se retourne vers d'autres fournisseurs. Marc, vous êtes leader sur le marché ? En quelque sorte, oui. Oh bah oui. Il a déjà tout dit. Donc, oui. Dans le marché de l'audiovisuel, l'intérieur est leader, on peut le dire. Oui. Si on peut, on peut rajouter. On fait partie d'un très bon groupe, on a un très bon patron. On a des gens professionnels, une équipe soudée. Je vais aller à Miami peut-être. Je vais aller à Miami aussi. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Non, il préfère aller en Italie, Marc Campola. Ah oui. À Trieste. À Trieste, oui. Éventuellement. Je salue d'ailleurs mes compatriotes italiens. Ça leur fera plaisir, j'imagine. Donc, tout à fait. Donc voilà, qu'est-ce que je peux rajouter. Voilà, on a une équipe soudée. On a des très bons partenaires qui nous font confiance. Après, le métier en lui-même, on essaye de bien acheter, afin de bien vendre et toujours d'avoir le chèque et si possible de la marge. Donc voilà, et surtout je crois que si on peut rajouter quelque chose, on aime notre métier, on aime ce que l'on fait et on aime cette société. Voilà. Bravo. Donc les ingrédients sont super, là. C'est clair. Guillaume, c'est une entreprise étonnante, vraiment. Ils ont voilà, dans ce métier qui est un métier qui est difficile, qui est un métier de vente. Moi, je ne dis pas grossiste, je dis grossiste à valeur ajoutée, parce qu'ils apportent réellement un service à leur client final qui leur permet aujourd'hui d'avoir ce positionnement de leader dans l'écosystème de l'audiovisuel. Donc voilà, chapeau. Et puis, ils arrivent à couvrir le territoire de manière assez incroyable, puisqu'ils, voilà, il faut, comme le disait Hubert, il faut être au plus près du client et d'une équipe qui est plutôt centralisée autour de l'Île-de-France. Finalement, ils arrivent à couvrir un territoire global avec un territoire un peu large, mais bon, en même temps, ça fait partie du job. Et voilà, c'est assez impressionnant la performance qu'arrive à avoir un Telware. Et puis, c'est pas juste une année avec une année sans, c'est assez linéaire. Et ça, c'est aussi la preuve d'un certain professionnalisme. Merci beaucoup. En fait, nous avons cru depuis de nombreuses années à la dualité entre la tradition, qui est le métier traditionnel d'aller chez le client, de lui présenter les produits, de lui expliquer les produits. Et je voudrais vraiment rendre hommage également à la modernité avec le digital. Et j'aime raconter, tous les jours, nous avons 600 visiteurs uniques sur notre site. Donc ça ne s'est pas fait en une seconde. Et on envoie par an 600 000 messages ciblés à nos clients, ce qui représente un travail quand même très important. Et je voudrais rendre hommage à l'équipe autour de Thomas que l'on a vu tout à l'heure. Association, effectivement, applaudissements. Association du marketing et du commerce, la recette qui marche. Voilà. Il y a quelques partenaires dans la salle, ils vont tous venir demander une exclusivité à un Telware. J'aimerais bien. C'est à peu près certain. En tout cas, on peut les remercier. Multiplier par deux l'entreprise. On les attend. On peut les remercier parce que c'est également grâce à eux et grâce à leur confiance. On a notre ami Frédéric. Bah oui, parce que j'aimerais bien en parler de territoire, on irait bien à Rennes. Moi, j'irais bien à la rencontre de Frédéric Borelli à Rennes. Est-ce que vous m'entendez, breton ? Oui, très bien. Bonsoir Frédéric. Alors racontez-moi votre quotidien à Rennes. Bonsoir à tous. Mon quotidien, moi j'ai en charge de développer un Telware sur 32 départements qui va de Brest à Bayonne.
Donc, en fait, mon métier consiste à regarder la météo le dimanche et à organiser son emploi du temps en fonction du temps. D'accord. D'ailleurs, on n'a pas reçu ton planning, Frédéric, de la semaine prochaine. Non, mais c'est vrai qu'on est chez Intelware, on est dans une belle société. Je crois qu'on est tous passionnés par ce qu'on fait. Et du coup, ça facilite quand même pas mal les choses et ça se passe plutôt bien. Quelque chose à rajouter, Yvick ? Avec un prénom breton, on a un langage breton ? Exactement. Et pas plus tard qu'avant-hier, j'étais avec Frédéric en Bretagne. Et c'est très intéressant d'arriver sur les terres bretonnes et pour leur dire qu'on voilà, on n'est pas complètement étranger et ça ouvre des portes. Voilà. Mais dans le nord également et dans le sud pareillement. Merci camarade Lillois, hommage à toi. Applaudissements pour Intelware, cette belle société. Merci messieurs. Allez, zoom sur la cellule corporate à présent et portrait sur les métiers et les hommes de la société IEC. Tout de suite, en image. IEC est spécialisé dans l'ingénierie et les services vidéo à destination du monde professionnel, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Nous proposons une offre segmentée par domaine de compétences et on va pouvoir s'adresser au monde de l'entreprise, au monde institutionnel, au monde spécialisé de la muséographie, au monde de l'affichage dynamique. En fait, on couvre tout le segment, tout ce qui se rapporte à la vidéo et à l'audio et on offre une offre globale, peut-être l'offre la plus complète du marché. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est la diversité des projets et l'innovation. Vous avez là derrière vous un écran avec 16 projecteurs, 8 ordinateurs dont un central et une parfaite continuité d'image. Eh bien, c'est là qu'IEC est intervenu parce que c'est grâce à IEC, à sa technicité, aux moyens mis en œuvre, que le rêve est devenu réalité. Vous avez réussi, IEC, et j'en suis satisfait. Chez IEC, on ne fait pas que répondre aux besoins de nos clients. On anticipe les nouveaux usages. C'est l'une des missions du Lab. Ce qui me plaît, c'est de valoriser les marques par l'image, le design et l'environnement utilisateur. À MAP, au travers de Store Design, on essaie de dessiner et créer une expérience pour les clients qui augmente à la fois le plaisir de les clients, mais aussi la visibilité globale de la marque. Notre département R&D développe des solutions garantissant une simplicité d'usage et une sécurité sans faille pour les vidéoconférences. Mon métier est de placer les bonnes compétences au bon endroit afin de servir l'intérêt de nos clients. IEC est une philosophie qu'on ne trouve pas évidemment facilement en Europe. Le service aux clientèles est priorité. Il prend le temps de savoir les vrais enjeux de le projet pour les clients et trouve les solutions pour soutien dans tous les procès de début à la fin. Le service chez IEC, c'est plus de 3000 contrats de maintenance qui servent à pérenniser les investissements effectués par nos clients. Mon métier, c'est avant tout du service et une disponibilité 24/7 partout dans le monde. Il y a 7 ans, on s'est donné des objectifs sur la partie technologique, service, international. Ils ont été atteints, voire dépassés grâce aux hommes et aux moyens donnés par l'entreprise. C'est sur ces bases solides que tous les jours, j'exerce ma passion. Société IEC, Pascal Nicolas, vous êtes le DG de cette filiale IEC. Votre credo majeur, c'est la technologie, oui, mais les hommes, surtout. Surtout les hommes, effectivement. Alors c'est vrai qu'on vit tous une merveilleuse aventure. Alors c'est difficile d'objectiver sur ce sujet, parce que les gens qui construisent cette aventure sont là, ils sont fabuleux, et on travaille dans un contexte technologique qui est lui aussi en pleine effervescence. Finalement, ce qui est intéressant, c'est que j'ai la chance d'avoir pas mal de communication avec l'extérieur. Et puis, il est intéressant d'avoir le regard que les autres ont sur nous. Les clients disent souvent de nous qu'avant tout, on est compétent. On maîtrise notre sujet, on sait faire. Et ça, c'est ce qui nous rassemble. Ce que disent aussi les clients, c'est qu'on va jusqu'au bout des choses. On a ce côté jusqu'au boutiste, ce côté perfectionniste qui nous permet d'aller plus loin. Et ça aussi, c'est une valeur qui nous rassemble. Côté partenaire, alors ils sont présents ici ce soir, il y a deux valeurs qui reviennent.
Il y en a une qui est importante pour nous, parce que c'est une valeur, là encore, qui nous rassemble, qui rassemble les hommes, qui font la société IEC, c'est la loyauté. Quand on s'engage avec un partenaire, on va au bout avec eux, et on y tient. Et puis, il y a un terme qui revient souvent, alors il y a un peu de flatterie là-dedans peut-être, mais on aime bien, c'est le côté professionnel. On est des vrais professionnels. Et ce sont nos partenaires qui nous le disent, alors il n'y a pas de raison de ne pas les croire. Des pros, des vrais pros avec des valeurs humaines. C'est quoi les valeurs humaines et ce qu'on attend en ce moment avec tous ces changements, cette effervescence? Est-ce que l'agilité est propre chez vous? L'agilité, elle est importante parce que finalement, c'est souvent les clients qui nous entraînent un peu plus haut. Aujourd'hui, les clients, ils sont contents de notre compétence. Ils sont contents de retrouver chez IEC un partenaire sûr. Ils aimeraient bien maintenant qu'on aille encore plus loin, qu'on ait cette agilité, cette capacité à voir plus loin, à voir plus grand, à se dépasser et à aller les accompagner sur des métiers du service, sur les métiers du conseil. Et là, on a des enjeux devant nous qui définissent l'IEC de demain. Merci Pascal. J'aimerais qu'on fasse un petit duplex avec Strasbourg. Guillaume, on est au Conseil de l'Europe avec Patrick Baderspar. Est-ce que Patrick est là? Patrick est là, oui, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir Patrick, vous êtes en direct, bien sûr. Vous êtes en direct du Conseil de l'Europe. Vous intervenez avec la société IEC depuis 15 ans, avec le Conseil de l'Europe. Parlez-nous de cette belle et riche aventure. Belle référence quand même. Alors c'est une belle référence et puis c'est une référence qu'on partage volontiers avec la plupart de nos collaborateurs puisque ce client, c'est 15 ans d'histoire et c'est l'histoire des hommes. Ce qui fait la force de cette histoire, c'est tout simplement des règles qu'on a déjà abordées ce soir, qui sont d'abord la confiance. Travailler en confiance, c'est extrêmement important. C'est la compétence, ça a été évoqué aussi et c'est fondamental. Et en même temps, c'est de se dire il y a un respect mutuel. Et c'est à travers ces valeurs, je pense qu'on arrive à garder, à capitaliser sur des relations de ce type dans la durée, avec des moments faciles, des moments moins faciles. Mais dans tous les cas, c'est les hommes qui font la différence et qui vont nous permettre de trouver des solutions, de nous dépasser. On a abordé bien sûr les notions de conseil. Quand on travaille avec des clients comme le Conseil de l'Europe, où nous sommes ce soir, on est au cœur finalement de multiples besoins. C'est-à-dire qu'on va aborder des équipements de salle, des services très particuliers dans des environnements parfois complexes, dans tous les cas des environnements qui sont stratégiques, où il y a des critères très, très pointus de confidentialité, d'expertise, de professionnalisme également, de respect, d'exigence. On est dans la qualité et c'est cette qualité qui va faire la différence dans le temps et qui va nous permettre là aussi de nous dépasser et de continuer à grandir. Et grâce à nos clients, nous grandissons et nous faisons évoluer nos métiers, nos collaborateurs, l'entreprise se déplace en permanence à travers ses besoins multiples. En deux mots, sur des sites comme celui-là, nous pratiquons 4 grands métiers. Donc c'est quand même extrêmement important puisqu'on va aller de la délégation sur site avec des professionnels de service qui sont chez les clients à l'année, avec des profils particuliers. On est dans du sur-mesure, on ne peut pas dire mieux. On est aussi dans des métiers d'intégration et donc d'installation. C'est très particulier aussi, il n'y a pas 2 salles identiques, il n'y a pas 2 mobiliers identiques, il faudra que ça fonctionne. Et enfin, bien sûr, dans tout ce qui est maintenance et tout ce qui va être événementiel, puisque si ce soir le groupe porte un événement de ce type, c'est parce que nous avons des équipes event qui sont présentes aussi sur ce site et qui viennent travailler à la demande de nos clients. Voilà, je crois, en résumé rapide, c'est ça l'ensemble des valeurs et des métiers que nous portons. De fait, ça peut durer et de fait, ça fait plus de 15 ans. Alors, je voulais partager ce soir avec nos collaborateurs qui sont là et qui sont bien sûr tout simplement les porteurs de ces messages et de ces savoirs, une belle nouvelle qui est en train qui sera officielle sous peu, c'est que nous sommes en compétition sur un énorme marché au sein du Conseil de l'Europe en ce moment, puisque les technologies évoluent, le numérique est là, les salles doivent être mises à niveau, et de fait, nous sommes dans une compétition importante, internationale, pour refaire l'hémicycle sur les équipements de conférences et traductions, et il semblerait que nous ayons de fortes chances et que nous soyons sans doute le porteur d'un bon dossier. Voilà, nous aurons sans doute ce plaisir de le partager ensemble, mais je peux vous l'annoncer quasiment en avant-première, puisqu'on me l'a glissé à l'oreille tout à l'heure.
nous avons effectivement su répondre aux attentes et à la technologie de demain. C'est une très belle nouvelle que je partage avec plaisir avec l'ensemble du groupe. Bravo. C'est un dossier évidemment qu'on suivait avec Patrick de très près, donc je découvre la nouvelle en même temps que vous, donc bravo. Et j'avais déjà eu l'occasion de féliciter Patrick et ses équipes au travers de quelques échanges, et en tout cas un grand bravo, et c'est vraiment une nouvelle extraordinaire sur un événement comme ça. Je voudrais également en profiter pour reposer une question à Patrick qui accompagne le groupe depuis maintenant 2006, voire 2005, de fin 2005, début 2006. Patrick est le fondateur d'une société qui s'appelait Alsace Audiovisuel et qui a rejoint le groupe IEC début 2006 de mémoire. Et je voudrais peut-être le laisser nous dire quelques mots sur cette aventure et cette expérience, la création de son entreprise, l'entrée dans le groupe et puis tout l'accompagnement qu'il a depuis quelques années avec nous. Eh bien, Guillaume, c'est l'histoire quasiment d'une carrière en ce qui me concerne, puisqu'Alsace Audiovisuel, c'est une entreprise qui a été fondée dans les années 76. Donc ça nous met quand même quelques années en arrière et qui a parcouru avec, j'allais dire, deux fondateurs dont je faisais partie et que historiquement, c'est tout le parcours finalement d'une entreprise au fil de la technologie et de l'évolution des marchés. Puisque nous avons vécu les premiers outils dans le monde de l'audiovisuel qui n'étaient vraiment pas ceux d'aujourd'hui à aucun niveau, et que nous avons su au fil des années de cette création finalement saisir les opportunités technologiques à chaque fois pour rebondir, enrichir l'entreprise, recruter de nouveaux profils, former nos collaborateurs, les garder pour beaucoup, puisque c'est un constat que je fais aujourd'hui. Il y a des collaborateurs qui nous ont rejoints il y a aujourd'hui plus de 25 ans et qui sont chez IEC. Donc c'est un transfert, j'allais dire, de compétences. Ce sont des hommes et des femmes qui ont partagé avec nous l'ensemble de ce parcours. Alors effectivement, la technologie, à un moment donné, et l'entreprise se positionne, elle réagit, il y a un environnement concurrentiel. C'est une bagarre, on peut le dire, également, dans la survie des entreprises. Et je trouve que le groupe, dans les années 2006, le groupe IEC, donc, que nous avons rejoint, avec environ à l'époque quasiment 80 collaborateurs, donc on va dire une belle boîte de province, hein, pour parler en tant qu'entrepreneur, c'est d'arriver finalement à changer de format. On change tout simplement les projets. C'est l'échelle des projets, c'est finalement aussi les compétences qu'un groupe peut accompagner finalement avec une autre dynamique, parce que bien sûr, c'est d'autres moyens, c'est une autre stratégie et c'est un périmètre différent. Et de fait, le transfert se fait progressivement et permet à ceux qui sont restés dans l'entreprise aujourd'hui de vivre une nouvelle aventure, de la vivre chez IEC, de développer d'autres métiers, évidemment, qu'on ne peut pas multiplier à l'infini dans une PME classique, et d'arriver à dépasser le marché et de l'accompagner, bien sûr, mais de le dépasser par finalement l'anticipation et par le partage des cultures tel que ça a été évoqué à travers les différents intervenants. Voilà. Donc moi, j'ai finalement le plaisir d'avoir rejoint ce groupe depuis plus de 7 ans. Merci Patrick. Merci Patrick pour votre intervention et bravo pour cette belle nouvelle. Claire Corrier. Une femme sur ce plateau. Claire, c'est pas trop difficile d'être une femme dans un monde de mecs, un monde de brutes, un monde d'audiovisuel où on a des Jackie, des Jean-Claude, des Francky. Comment on s'impose dans ce monde de mecs, Claire ? On s'impose de la manière la plus simple possible, c'est qu'il faut faire son travail sans faire de différence. Et bon, j'essaye quand même de faire la différence en étant vraiment le plus technique possible et faire comme si de rien n'était et faire son job comme si de rien n'était, finalement. Ça veut dire quoi, faire son plus technique possible ? Porter son casque de chantier, ses chaussures de sécu et son gilet, et puis pas faire de manière, et puis faire comme si, je vais le redire, mais comme si de rien n'était, et créer la surprise à chaque nouveau chantier, un nouveau client, lui...
on va dire, le clou au bec quand il essaye peut-être de faire une différence sans le dire vraiment. Mais... Je crois qu'il faut une bonne dose de compétence et une bonne dose de courage, d'assurance pour effectivement prendre la main sur, et prendre le dessus sur les collaborateurs masculins. Et je pense que là-dessus, Claire a un certain talent. Claire excelle. Bravo Claire. Merci pour ce témoignage. C'est important aussi, hein, faire parler les femmes. Michel Martin. Michel Martin, vous faites partie des anciens chez IEC. Quelle était l'activité d'IEC en 96? Métier de vente uniquement, me semble-t-il? Oui, tout à fait. À l'époque, lorsque j'ai rejoint IEC en 96, le métier était réellement le négoce de carton. J'oserais dire exclusivement, et ce n'était pas du tout mon métier. Mon métier était déjà celui qui a été évoqué ce soir, le métier de systémier, c'est-à-dire de pratiquer l'intégration d'équipements audiovisuels, mais dans des systèmes. Alors je donne quelques images de temps à autre, mais à l'époque, mon métier, c'était pas seulement de vendre une machine à laver ou une plaque de cuisson à un client, mais c'était de concevoir la cuisine clé en main, c'est-à-dire d'étudier le volume de sa cuisine ou de son ancienne cuisine, et puis d'être à l'écoute de son objectif et de ses besoins, et à partir de là, de lui proposer le concept d'une part, d'en faire l'étude, d'en faire la vente bien évidemment complète et ensuite l'installation. Et la suite également, c'est-à-dire la partie maintenance, la notion de service et bien évidemment éventuellement l'exploitation, qui est un métier qui s'est un peu imposé un peu plus tard sur la période, mais en arrivant chez IEC, c'est vraiment la chose que j'ai, j'oserais dire, imposée au moins à mon niveau dans le métier que je voulais exercer dans l'entreprise. Je pense que ça a été suivi, ça a été accaparé, ce qui pour moi était une satisfaction. Michel, vous assurez un rôle d'explorateur, de défricheur. Vous partez un peu partout. On m'a parlé du Turkménistan, du Turkménistan. Asie oui. centrale. Alors oui, l'Asie centrale, oui, mais c'est vrai qu'en même temps que je faisais ce métier d'intégration et de systémier, j'ai exploré par rapport à l'activité d'IEC des nouveaux environnements géographiques. Alors bon, ça m'a emmené au Turkménistan pour faire des installations que je vais qualifier de corporate, mais en même temps de broadcast, où là j'ai rejoint, où j'ai travaillé en collaboration avec Preview, alors que Preview n'était pas dans le groupe IEC. Je suis allé sur le Maroc, le Sénégal, ensuite sur les institutions européennes également, donc des marchés nouveaux pour IEC qui étaient également, j'oublie pas qu'à l'époque il y avait quand même quelqu'un qui s'appelle Jean-Paul Douin, qui était une personne importante dans l'entreprise et qui faisait déjà de l'export. Enfin, j'oserais le deuxième à suivre, mais dans la partie système. Voilà, Jean-Paul était plutôt dans le métier historique d'IEC, alors que toi tu étais vraiment dans le métier de l'intégration du systémier. Tout à fait, oui, c'est exact. Merci Michel, vous parliez de l'Asie centrale, mais vous êtes aussi à Kourou, en Guyane, et je crois qu'on a Patrick Vigneron. Patrick, vous m'entendez? Vous êtes en direct du CSG. Oui, je vous entends bien. Pas. On ne vous voit pas, Patrick. On ne voit pas. Est-ce qu'on ne peut pas noter? En fait, on est en visio, donc on n'a pas vraiment d'opérateur. C'est bon, vous nous voyez? Oui, bonjour Patrick. Quand Ariane décolle, ce sont les caméras d'IEC qui filment l'événement? Alors, je dirais que c'est les caméras du client, mais c'est IEC qui les exploite. Comment ça se passe là-bas? Racontez-nous un peu votre mission, votre rôle à Kourou. Alors, mon rôle à moi, je suis le responsable technique et j'encadre une trentaine de personnes. Donc, c'est un métier de l'audio qui a rapport bien sûr avec l'audiovisuel, mais avec beaucoup de polyvalence, justement, on parle de polyvalence. Donc, ça va du photographe, du monteur vidéo, des captations vidéo, des reportages, je dirais, dans l'audiovisuel, avec sa grande palette, je dirais, que l'on a ici. Et notre métier, c'est l'exploitation sur le son spatial, exclusivement. Tout ce qui est caméra technique, en cas de problème, photo d'inspection, reportage médiatique. Donc, on fait la vie du CSG, je dirais, en photo et en image, dans la globalité. Voilà.
C'est que la particularité de l'activité en Guyane, c'est une activité assez complète dans le sens où, d'une part, on assure la partie réalisation des médias, c'est-à-dire prise de vue, photos, vidéos, etc., traitement des images, et ensuite la gestion technique de tous les équipements du centre spatial. Donc, c'est-à-dire qu'on assure l'installation des équipements et ensuite la maintenance. C'est-à-dire qu'on a cette activité-là associée à un contexte spatial qui est très exigeant en termes de process, dans le sens où la notion de spatial exige énormément de qualité et de process. Donc voilà. Donc on réunit, c'est réducteur, mais trois métiers déjà dans une activité, ce qui explique les 30 personnes en place. C'est probablement un des contrats les plus complets en termes de compétences et de métiers au sein du groupe IEC, parce qu'on y touche à la fois les métiers du corporate de l'entreprise et également les métiers du broadcast. Et même de la gestion des médias, puisque c'est nous qui gérons l'ensemble des médias qui sont traités et des workflows médias sur l'ensemble du centre spatial guyanais, autant pour les problématiques technologiques que pour les problématiques médiatiques. Donc chaque fois que vous voyez une Ariane, quelque part derrière, il y a un opérateur IEC. Oui, absolument, tout à fait. Bon, c'est vraiment une Ariane, une Soyouz, une Vega. Voilà, bon, parce que le marché a évolué depuis quelques années et le centre spatial dispose de 3 lanceurs pour assurer son activité. Merci. Voilà. Merci pour ce témoignage. Je me grise des duplex. J'irai bien à Toulouse. On est au soleil de Guyane. J'aimerais bien retrouver Frédéric Vandermeulen. Frédéric, vous m'entendez à Toulouse ? Oh, ça m'annonce là, les Toulousains. Oh, oh, oh. Frédéric, vous avez été IEC, puis vous êtes parti chez Perfect. Revenu chez IEC en 2006, vous avez dû voir du changement à votre retour. Bien, écoutez, oui, ce changement, avant de le constater à mon retour, j'ai pu l'observer en étant chez Perfect, effectivement. Ça s'est vu même de l'extérieur. Et c'est vrai que lorsque j'ai eu, pendant cette expérience Perfect, eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises Alain Cotte, il m'a parlé concrètement de son projet, et ce projet, il a employé les mots justes pour me convaincre. Ces mots, c'est simple, hein, c'est tout ce qui touche à la compétence. Je pense que ça fait partie des sujets que mes collaborateurs tout à l'heure ont évoqués. La compétence, l'humilité et je dirais la croissance. C'est aussi un leitmotiv du groupe quand on voit ce qui s'est passé entre 2002 et 2014. Et voilà, je crois qu'il y a parmi les compétences, il y a les hommes. Quand on cite les compétences, il y a les hommes. Et moi, je voudrais rendre un hommage appuyé à nos équipes techniques et nos équipes d'assistana commerciale, parce que sans ces personnes-là, je dirais que la boîte a un petit peu de mal à tourner. Donc c'est eux qui font la qualité, c'est eux qui définissent les études, qui définissent les concepts, et à partir de là les techniciens d'installation qui ensuite les exécutent, les mettent en place. Et cette richesse est assurée, et notre richesse, je dirais, c'est aussi nos clients qui ont en partie eu la gentillesse de venir nous rejoindre aujourd'hui sur Toulouse. Il y a même des clients montpelliérains qui ont fait l'effort de venir. Donc c'est pour dire que cette compétence, je dirais, est élargie. Et pour venir sur un événement IEC depuis Montpellier, c'est que... c'était tout à fait justifié. Merci de porter ces valeurs, Frédéric Vandermeulen. Elles sont déterminantes, on le sait. Stéphane Feuillet, alors vous, votre dada, c'est la muséographie. Alors oui, je ne suis pas un spécialiste de l'équitation, mais c'est vrai que c'est mon dada. Je dirais que la muséo, c'est quoi ? C'est un peu de techno et surtout beaucoup de culture.
Et c'est le mixte des deux qui en fait tout l'intérêt. Alors, tout à l'heure, vous avez vu une fresque d'un de nos clients, qui est le musée océanographique de Monaco. Eh bien, on se rend compte que quand ce client nous parle de requins, ce n'est pas forcément un client qui a une dent contre nous, et ça fait plaisir. Mais bien au contraire, alors vous allez comprendre pourquoi, bien au contraire, parce que nous avons un très très beau projet actuellement sur l'île de la Réunion, qui s'appelle Stella Matutina. Et quand on m'a proposé de suivre ce projet, j'avais quand même une petite inquiétude. Il se trouve qu'un jeune marié se trouvait en voyage de noces sur l'île de la Réunion. Il n'est pas revenu. Il n'est pas revenu mangé par un requin. Le client monégasque m'a rassuré, m'a dit « Écoutez, monsieur Feuillet, le requin... même si parfois il peut être un peu marteau. Ils ne sont pas tous marteaux, mais bien au contraire, il n'est pas forcément féroce. Donc tout ça, ça m'a rassuré. J'ai négocié des bons tarifs chez Air France, on a pris nos billets d'avion et nous partons à Stella Matutina, un splendide projet muséographique qui va nous parler non pas là du requin, mais de la canne à sucre. Bon, on découvrira que la canne à sucre ne sert pas simplement à sucrer son thé. Enfin, ça, je le laisse aux Anglais. Nous avons découvert un rhum parfait. Et puis, bon, pour s'en faire de jeu de mots, on espère ne pas revenir charrette de l'île de la Réunion. Applaudissements, voilà. S'il vous plaît. On a une grande intervention. Mais, si je puis me permettre, le meilleur est à venir. Ah. Le meilleur est à venir. Pourquoi ? Guillaume Derieux, lui, très très sérieux bien sûr, vient me voir il n'y a pas très longtemps et me dit « Stéphane, c'est bizarre, j'ai eu un appel téléphonique pour un projet aux États-Unis, le National Museum Call Girl ». Je dis « Bon là, quand même, on connaît le requin, on va peut-être pas passer au macro tout de suite. » C'était « Bon ». On va pas non plus forcément ouvrir le Zaï Institute. Et il se trouve, évidemment, qu'il y avait une méprise, qu'il ne s'agissait pas du National Call Girl Museum, mais du National Cowgirl Museum, qui est la cowgirl, le pendant du cowboy, donc Buffalo Bill, et la plus célèbre des cowgirls étant Annie Oakley. Voilà pour la blague. Maintenant, un peu plus sérieux, je profite d'avoir le micro pour, j'ai pas grand-chose à demander, au contraire, pour inviter nos clients la semaine prochaine. Quand je dis inviter nos clients, j'associe les Bretons, Thierry Berthier à Rennes, j'associe Régis Perec à Lyon et j'associe Gabineau Ramirez à Strasbourg. Et nous quatre, parce que j'y serai également présent, nous serons vraiment très heureux de vous accueillir sur ce salon du 28, 29, 30. Il n'y aura pas de requins, il n'y aura pas forcément de rhum non plus. Mais en tout cas, on pourra vous raconter des histoires si vous êtes vraiment intéressés. Voilà. Merci Stéphane. Irrésistible prestation de Stéphane. Le musée... Alors, les histoires sont vraies. Un peu. Mais elles sont vraies quand même. Elles sont toutes vraies. Alors, effectivement, elles sont toutes vraies. Puisque tu... Bah. Parce que, bon, Guillaume n'en doute pas qu'elles soient vraies. Alors, je vais quand même vous rassurer, elles sont toutes vraies. Elles sont toutes vraies et surtout, ce qui est intéressant, c'est la complémentarité entre les équipes, les régions. C'est ce qui m'intéresse dans ce projet aussi. Monaco, c'est un projet avec Cannes. Qui a fédéré les équipes cannoises et qui a débouché sur un nouveau projet sur Cannes, qui va parler plus de sport cette fois-ci. On fédère les équipes également sur Reims, on ne va pas parler de champagne, mais de casque de combat. Et puis, j'en profite également d'avoir le micro pour dire... On n'arrête plus. Non, mais je vais m'arrêter. On prend du retard, mais, Stéphane. Oui, on prend du retard. Alors, je vais faire très court. Vite. On va tous
et tous ceux qui ont une sensibilité à ce marché-là, et ben j'espère qu'on va tous avancer ensemble pour aller décrocher de gros, gros projets. Parce qu'aujourd'hui, IEC, de par son envergure et son envergure nationale et internationale, notre projet aussi, c'est d'aller voir ce qu'il se passe au Texas et ce qui se passe auprès des co-girls. Ok, merci beaucoup. Bravo. Je précise que le CITEM de la semaine prochaine est le musée spécialiste du monde de la culture et de la muséographie. Et que c'est effectivement un endroit passionnant à visiter et à partager. Rachida, elle ne me regarde pas. Rachida, vous êtes il paraît-il que vous êtes à la croisée de tout, au cœur du système. Mais qui est donc cette vigie, Rachida? Alors moi, je suis responsable du service approvisionnement, qui est un service basé à Gennevilliers. Le service approvisionnement, c'est une équipe de 11 personnes qui a trois missions principales, qui sont la gestion de la base de données, le traitement des commandes d'achat et l'enregistrement des factures fournisseurs. Vous êtes un peu le débloqueur des problèmes. Alors ça nous arrive. En tout cas, on essaye. Sachant que quand on intervient dans ce cas de figure, c'est soit en partie en partenariat avec le collaborateur de l'agence qui est concerné par la difficulté, soit parce qu'il a fait une partie, il nous sollicite pour intervenir sur la partie sur laquelle il n'a pas de prise, je dirais. Donc ça peut être soit pour contacter le fournisseur si c'est une question de fournisseur, ou tout simplement une dérogation à accorder en interne. Parce qu'au niveau du service, je dirais que la difficulté, c'est à la fois de servir les collaborateurs au niveau des agences, faire en sorte qu'ils aient les produits et les services de manière à pouvoir produire les dossiers, et en même temps, de veiller au respect des procédures internes. Procédures. Voilà. Donc ça, c'est toujours le juste équilibre à trouver entre la satisfaction du demandeur et de trouver et de respecter les procédures internes. Rachida, une main d'acier dans un gant de velours. Toujours avec le sourire. Toujours avec le sourire. Toujours, toujours avec le sourire. Vite, Marie-Claude Delaveau à Lyon, vous nous entendez? On a pris beaucoup de retard. Marie-Claude? Oui, bonsoir. Bonsoir Marie-Claude. Alors vous venez d'un monde complètement différent. Vous venez du monde de la déco, du luxe. Qu'est-ce que vous venez faire dans l'audiovisuel? Ah, c'est une très bonne question. En effet, j'ai un parcours atypique dans la mesure où j'ai beaucoup travaillé à l'international, j'ai travaillé dans le textile, dans l'agroalimentaire de luxe, et aujourd'hui, au sein du business développement du groupe, je fais de la veille en amont. Je suis à l'affût des projets. Pour ce faire, je rencontre des archis, des décos, qui ont des projets, soit tertiaires, soit résidentiels, soit yachting. Et ma force aujourd'hui, c'est de créer, d'entretenir et de fidéliser ce réseau. C'est aussi de mettre des gens en contact quand ils en expriment le besoin. Par exemple, un archi va avoir besoin d'un BE pour un projet, ou un designer va avoir besoin d'un produit de décoration. Et lui trouver une solution, c'est assurer notre coopération future. Ces prescripteurs méritent toute notre attention parce qu'ils demandent une facilité d'usage, parce qu'ils ont besoin d'une très grande clarté de notre part. Ils veulent pouvoir compter sur nous, et là, mon côté béotien en technologie devient enfin un atout. Il était temps. Si je comprends, ils comprendront. C'est tout à fait rassurant, et pour eux et pour moi. Et puis en interne, parce que nous sommes une équipe nombreuse et répartie sur un large territoire, avec des compétences diverses, il est important de réseauter pour connaître les forces et les talents de chacun et de communiquer sur ces talents. Et j'ai découvert des talents extraordinaires. Je ne comprends pas toujours tout, mais je vois bien qu'il y a des talents extraordinaires. Mieux nous connaître nous permet de mieux travailler ensemble et ensemble de gagner des projets. Mon leitmotiv, c'est créer des synergies, c'est agir bien sûr, et c'est de trouver la bonne personne au bon moment. Merci à la Béotienne, merci Marie-Claude Delaveau de Lyon, merci à toute l'équipe d'IOC d'être venue sur le plateau. Merci beaucoup, à bientôt. On va appeler maintenant sur scène José-Jacques Gustave
et Loïc Ferrari de la société G2J. José-Jacques Gustave qui arrive de Shanghai. Oui, bonsoir. Ce matin, 6h30. Respect. Voilà. Non, c'est un exercice qui devient fréquent puisque je suis un insulaire, donc forcément, on prend l'habitude au bout d'un moment. Quel est votre rôle ? Voilà. Donc, j'ai créé donc, G2J en 1994 en Martinique avec l'idée donc, de rapprocher les hommes par la technologie de visioconférence. À l'époque, on n'avait pas les conditions technologiques qu'on a en ce moment, puisqu'on était à peine en 64 kilobits à l'origine, et que maintenant on est dans des quantités de mégas et on voit ce que ça peut donner comme résultat à l'écran. Et donc, la vision donc de G2J, c'était donc d'aller permettre de rapprocher les sociétés et les individus à travers le monde. Donc j'étais seul, j'ai pu ensuite m'entourer progressivement des personnes, et puis au détour des années, j'ai croisé donc le chemin de Guillaume, et on a commencé à échanger notre vision commune sur le service, la complémentarité. Ensuite, donc, Guillaume m'a introduit au point d'Alécot, qui m'a présenté le groupe, et je reste toujours aussi ébahi devant Preview, les camions, le broadcast, enfin... Il y a une pertinence dans les métiers, dans la beauté de ce qu'on peut réaliser ce soir en interne pour nous-mêmes. Et c'est un peu ça l'histoire de qui nous rapproche et qui nous reste à faire évoluer. Merci. Loïc Ferrari, un mot à rajouter ? Un mot, oui. En complément, effectivement, José parlait d'hommes, d'associations de compétences. Donc, j'ai rejoint, après plus de 10 ans d'intégration dans l'ingénierie de l'infrastructure de visioconférence, G2J. Et G2J est aujourd'hui 100% focus sur du service. Pour ce faire, j'ai la chance de diriger et d'encadrer toutes les équipes techniques et services. Et on a 3 principaux niveaux d'intervention. Le premier, c'est qu'effectivement, on a nos propres plateformes technologiques qui sont à la fois interopérables, agnostiques, convergentes et sécurisées. Notre savoir-faire, notre expertise qui a été créée et développée depuis plus de 20 ans nous permettent aujourd'hui effectivement d'avoir cette plateforme as a service, cloud, comme on l'entend souvent, vidéo cloud. Et aujourd'hui, concrètement, notre savoir-faire nous a permis aussi de nous apercevoir dans notre métier de service qu'il fallait avoir des outils d'aide à l'usage, d'aide à un retour d'expérience très fort pour les utilisateurs. Et on a développé à travers un département R&D un outil, un portail d'usage de la visioconférence où comment, de façon tout à fait simple, agnostique, sans parler technologie, mettre à disposition le service de visioconférence pour les entreprises. Et tout ça est orchestré à travers un service H24-7-7 de vidéoconciergerie où là on a des opérateurs, des spécialistes, des experts qui accompagnent tous les jours nos clients à l'usage et à l'utilisation de la visioconférence as a service. Avec votre joli sourire, c'était le témoignage de J2J. Alors je voudrais juste poser une question à José. Je suis désolé pour le temps, Benoît. Mais bon, voilà. Je reposer la question à José qui démarre à la Martinique, petit la Martinique, et puis qui se dit bah voilà, je peux pas rester en Martinique. Je prends mes valises, je vais en métropole, puis je reprends mes valises, je repars en Chine. Et puis l'avenir du G2J, il est probablement bien plus large que ça. Donc finalement, ça se passe comment ? On est convaincu qu'aujourd'hui, donc l'avenir passe par l'international. On a déjà, par essence, donc cette présence d'abord en Amérique centrale avec la Martinique, Guadeloupe, Guyane, puis l'Europe, puis l'Asie, bientôt certainement l'Afrique. Enfin, on voit bien qu'aujourd'hui, notre avenir commun est sur l'export, ne serait-ce que pour des raisons de croissance. Et puis, il y a les conditions technologiques qui sont indispensables à notre croissance, qui n'ont jamais été aussi favorables. Notamment, on voit derrière nous les images des bâtiments et des bateaux. Les bâtiments sont immobiles, les bateaux et les camions de Preview sont mobiles.
Donc on est en train de voir que les conditions de mobilité sont en train d'exploser, 4G, un jour 5G, etc. Et qu'il y a beaucoup de choses à créer, il y a du service en mobilité, il y a de la croissance à aller prendre à l'extérieur, et que finalement, comme à dire Guillaume, on chasse mieux si on est en meute. Donc le fait d'être aussi des experts dans nos métiers et d'être très pointus chacun, d'être indispensable dans le cadre de G2J aujourd'hui indispensable à des clients qui sont fortunés. Ça veut dire que ce n'est pas une question d'investissement, c'est une question, ce que disait Loïc, de savoir-faire et de temps d'accès au marché. Donc nous devons, par l'innovation et l'export, continuer à développer cet avantage concurrentiel. On y est même condamné, et ça tombe bien parce qu'on adore ça. Merci beaucoup. Le témoignage de G2J. Merci messieurs. Abordons enfin la partie events et découvrons les hommes et les femmes et les projets surtout de la filiale Soft Events en images tout de suite. Notre métier, c'est d'être un véritable partenaire pour les chaînes de télé et les sociétés de production. C'est de les accompagner de la naissance de leur projet, de l'étude à la réalisation. Bien sûr, avec un spectre relativement large, du tournage, du montage, à l'intégration des moyens techniques. Nous mettons à la disposition de nos clients les moyens techniques et humains sur tout type d'événements. Nous intervenons en véritable partenaire en déployant le meilleur de la technologie pour vous accompagner dans la valorisation de vos messages de communication. Notre réseau d'agences en France et à l'international est la garantie d'un service sur mesure et qualifié dans tous vos projets. Pour moi, le métier de Soft Event, c'est d'être complémentaire à nos équipes sur les grands événements tels que les Jeux Olympiques, le Tour de France, tous les événements qu'on a la chance d'avoir à la direction des sports. On a nos correspondants chez Soft Events qui peuvent nous apporter des solutions créatives, inventives. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est la diversité du quotidien et l'adrénaline du direct. Notre métier, c'est de mettre notre compétence technique au service du client. L'événementiel, pour moi, c'est rigueur et engagement. Mon métier, c'est d'anticiper les besoins de mes clients pour garantir un service 100% qualité dans les moindres détails. Ce que j'aime dans mon métier, c'est l'adrénaline. Je la puise dans chaque projet, des challenges chaque jour renouvelés. Notre métier, c'est l'écoute et la disponibilité. Mon métier, c'est d'aller chercher le meilleur de la technologie pour répondre aux besoins de mes clients. Ce que je vends à mes clients, c'est avant tout une équipe, une solidarité qui est la base de notre profession. La valeur ajoutée de Soft Events, c'est de toujours avoir une solution à tout. Des problèmes, on en gère des centaines par semaine, voire au quotidien, sur les gros événements. Et Soft Events est toujours là pour avoir la solution et en parfaite complémentarité avec nos équipes. Les gros événements n'attendent pas. On va retrouver tout de suite Sochi. Fred Rodondo, vous venez d'atterrir à Sochi pour les JO d'hiver. Ben, tout à fait. Et ouais. Je viens à l'instant de récupérer mes valises. Voilà, bon, il pleut. Je pense qu'à Moscou, il faisait moins 14. Là, c'est beaucoup plus doux. Mais mais tout va bien. Tout se présente bien pour l'instant. Quel est le dispositif sur les JO, Fred? Ouais, alors le dispositif, bon, déjà pour la petite histoire, ça fait déjà à peu près 14 ans que depuis 2000, Sydney, que France Télévisions nous sollicite pour ce type d'événement. Donc déjà je les remercie amplement pour nous faire confiance depuis ces années-là. C'est vraiment, et puis pour moi, ça me permet aussi de voir du pays. Donc c'est plutôt pas mal. Sinon, le dispositif, bon, en fait, il est axé sur deux choses, en fait, deux axes. En fait, il y a un dispositif sur Paris et sur Sochi. Donc, la partie parisienne, c'est l'équipe de réalisation. En fait, le réalisateur a son mélangeur sur Paris et nous redescendons les signaux depuis Sochi vers Paris, et donc, sur Sochi, c'est plutôt... Là où est notre valeur ajoutée, c'est là où nous intervenons. C'est-à-dire que nous avons mis à disposition, pour les équipes de production d'image, je dirais, des compléments de matériel pour tout ce qui est pour le nodal, bon, c'est-à-dire la grosse cellule d'aiguillage pour redescendre les signaux, tous les équipements de prise de vue sur les différents sites et disciplines,
là où normalement l'équipe de France devrait avoir des chances de médaille. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les zones mixtes chez nous, là où Nelson, par exemple, fait ses petites interviews en bas de la raquette. Eh bien, vous saluerez Nelson de notre part. Oui, oui. Ah ben, il n'y a pas de souci. Fred, on se permet de te couper, parce que comme les clients de France Télévisions sont dans la salle et que je les regarde les yeux dans les yeux, ils ont un sourire étonnant à t'écouter. Et d'ailleurs, j'en profite également pour les remercier pour cette confiance. Que d'être là, parce que franchement, déjà, moi, je suis énormément déçu de ne pas être... Bon, ça s'est joué à très peu, une journée, mais voilà, déjà... merci parce que c'est des clients, mais c'est aussi des amis. Donc voilà, j'espère qu'ils vont passer une très bonne soirée. Quoi. Merci Fred. Bon JO à vous. N'oubliez pas la capuche. Hein. Ouais, je ne m'y manquerai pas. À bientôt Fred. À bientôt, au revoir. Thibaut Gruson, vous, ce sont les Jeux du Pacifique qui vous ont marqué. Première grosse expérience en production et en gestion. Racontez-nous. Oui, c'était vraiment ma première grosse prestation que j'ai géré avec Fred, bien entendu. Et donc on est parti 3 semaines à Nouméa pour filmer les Jeux du Pacifique. Voilà. Donc 3 semaines, c'était vraiment une aventure extraordinaire. Donc le plus gros du travail, c'était en amont de préparer l'ensemble du matériel, de rien oublier, parce que Nouméa, c'est pas la porte à côté. Et donc faire rapatrier une machine, c'est... dur. C'est dur. Compliqué. Voilà. Après, le dur de la prestation, enfin, le plus gros de la prestation aussi, c'était les moyens humains. Donc on est parti avec France Télévisions, on était à peu près 200, de chez IOC on était une vingtaine. Et pendant 3 semaines, il faut vivre ensemble et travailler ensemble. Donc on habitait ensemble dans des appartements, et c'est vrai que on a l'habitude de travailler avec eux, mais pas de vivre avec eux. Et ça faisait, c'est vrai que c'est pas toujours évident, et pour le coup, ça s'est super bien passé. Bah après, on était à Nouméa, donc c'est vrai qu'il y a pire. Oui, bonne condition plutôt. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'intelligence collective, Thibaut. Exactement. Bravo. Nouméa, c'était pour moi vraiment une aventure formidable, extraordinaire. Une première grosse prestation qui je pense me restera longtemps dans la mémoire. Merci Thibaut pour ce témoignage. Pascal Julien, alors vous venez de Soft Audiovisuel et vous avez ramené dans vos bagages des tas de choses intéressantes pour le groupe. Oui, alors Soft Audiovisuel était une entreprise qui a été sur le marché depuis plus de 30 ans et qui a été rachetée donc par IEC, le groupe IEC, en juillet 2012, sur une période très compliquée pour nous parce que nous étions dans le cadre du rachat, nous avions en charge une très très grosse opération pour le groupe Renault. D'ailleurs, je remercie mes clients qui sont présents dans cette salle pour leur confiance. Et c'était une période très très compliquée parce que nous avions un énorme dossier à gérer sur Genève. Et avec ce transfert à la fois financier et de compétences pour rentrer dans un gros groupe tel que IEC, ça n'a pas toujours été facile. Facile dans la partie logistique, planification, et je tiens aussi à remercier l'ensemble de nos équipes et nos collaborateurs à la fois chez Soft Audiovisuel et puis dans le groupe IEC et en particulier IEC Even qui nous ont reçus très largement avec leurs compétences. Et je serais tenté de dire que sans cette entreprise, sur cette période-là, ça aurait été très très difficile. Et puis il y a aussi l'ensemble de nos intermittents qui ont su jouer sur une période difficile le jeu et d'être présents sur l'ensemble de nos opérations parce qu'il n'y avait pas essentiellement que le groupe Renault mais nous avions aussi d'autres annonceurs et avec d'autres agences d'événements aussi avec lesquelles nous travaillons beaucoup sur le marché. Je tiens aussi à les remercier parce qu'ils sont ici en force parmi nos invités. Et puis évidemment nos compétences parce que nos compétences avec IEC et par l'intermédiaire de Fred en l'occurrence sur la partie broadcast nous a permis aussi d'aller sur des parts de marché en l'occurrence sur Sochi où nous avons apporté aussi nos compétences sur la diffusion vidéo et entre autres sur le plateau de France Télévisions nous aurons donc un très joli mapping vidéo, hein. C'est la première fois que France Télévisions se tente dans cette expérience. Et puis aussi les compétences de Soft dans le son, la lumière, la traduction simultanée, le multimédia, la captation et la diffusion vidéo sur les infrastructures extérieures ou scénographiques. Merci Pascal. Tant qu'on est dans les grands comptes, moi j'irai bien du côté de Toulouse parce qu'il y a un grand compte aussi, c'est Airbus. Est-ce que Jean Canlon m'écoute, m'entend à Toulouse ?
Oui, bonsoir Benoît, bonsoir à la team IEC. Bonsoir, on fait un peu de bruit. Bonsoir. Gros client Airbus, comment on fait pour approcher un si grand compte, un si gros client Airbus? Ça doit se faire en douceur, racontez-moi un peu. Oui, donc sur Toulouse, en fait, on est sur l'Aerospace Valley. Donc, on produit pas mal de prestations pour le CNES, Astrium, le groupe Safran, Liebherr. Mais c'est vrai qu'aussi, on produit des prestations pour Airbus. Donc, le mois prochain, par exemple, on va produire une prestation dans le cadre d'une réunion entre collaborateurs d'Airbus entre plusieurs sites, en collaboration avec le Centre des congrès Pierre Baudis à Toulouse. On va mettre en place, avec la synergie d'IEC, avec l'agence de Nantes et les moyens techniques de G2J, un duplex entre Toulouse, Saint-Nazaire et Nantes. Donc on a déjà fait cette opération l'année dernière, ça s'est très bien passé. Voilà, sur Airbus, en fait, ce que nous produisons. C'est déjà pas mal, bravo Jean Calon. Merci de votre témoignage. Voilà, après, donc, pas mal de prestations aussi pour d'autres clients d'Aerospace. Ok, bah écoutez, merci, on vous souhaite bon courage, bonne suite dans vos contacts. On va de retour en fait. On va vous laisser parce que j'aimerais bien aussi aller à Aubagne. À Aubagne se prépare quelque chose avec Patrick Debondelon. Vous préparez les vœux de la communauté d'agglos de la ville de Marseille. Montrez-nous un peu le dispositif, s'il vous plaît, Patrick. Oui, bonjour Benoît, bonjour à tout le monde. Écoutez, je vais essayer de vous montrer le dispositif. Alors, pour ce faire, je vais me transformer peut-être en Nicolas Hulot. Vous m'en voudrez pas, je vais laisser peut-être la parole à mon camarade le temps d'aller récupérer une petite tablette, et puis je suis avec vous. Ah, il y a une déambulation en préparation. Voilà, sans transition, donc, nous allons pouvoir... Oui, effectivement, nous allons pouvoir voir les images d'ailleurs qui vont nous arriver de Patrick. Et nous avons la chance en régie d'avoir Nicolas Hulot. Nicolas, vous m'entendez ? Oui, tout à fait, je vous entends. Alors, que pensez-vous de ces images directement depuis la tablette de Patrick, qui donc est, il faut le rappeler, le directeur régional de Soft Events ? Écoutez, je pense qu'il va nous proposer des moments d'émotion, des moments certainement privilégiés qui resteront gravés dans cette soirée. Qui... Salle des congrès, effectivement, dans quelques heures maintenant, donc dès demain matin, les vœux donc de la communauté, donc du pays d'Aubagne, donc devraient se passer. Là, je vais rencontrer donc notre hôte, qui est donc le représentant, donc régisseur, donc général de la ville d'Aubagne, donc Hervé Martinez. Hervé, bonjour. C'est un petit peu particulier. Je viens avec cette tablette, mais tout le monde te voit, donc voilà, je te laisse présenter un petit peu l'histoire. Oui, bonsoir, bienvenue à Aubagne, ville natale de Marcel Pagnol. Nous sommes ici au centre de congrès Agora d'Aubagne, où nous sommes en train de préparer la cérémonie des vœux de la présidente Magali Giovannangeli, la présidente de la communauté d'agglomération d'Aubagne. Comme vous le voyez, nous avons pour cette cérémonie installer des oliviers centenaires. On va peut-être approcher. Hein, si tu veux, Patrick. Voilà, j'entends même les cigales. L'olivier, en Provence, c'est le symbole de la paix avant tout. Hein. Voilà, nous avons un olivier centenaire. Celui-ci, c'est un être marseillais. Il a au moins 400 ans. Hein. Voilà. Okay. Vous avez reconnu l'accent et vous savez qu'on n'exagère rien dans notre pays, hein, bien sûr. Ailleurs, c'est le Nord. Merci, c'était sympa. Et surtout, on n'oublie pas le pastis, hein, ici. Pour cet événement, nous avons choisi notre prestataire et aussi notre partenaire privilégié, ce qui est la société IEC. La société IEC qui nous a installer, si vous voulez, toute la partie technique dans sa globalité. On va de la vidéoprojection, du son, de l'éclairage. On a même, vous regardez, un prompteur.
Hein, voilà. Mais il y a même, voilà, et oui, il y a même aussi beaucoup plus, parce que on va vous faire une petite surprise. Allez, venez, on va vous montrer quelque chose. Voilà. Je prends un petit peu le relais. Donc, il y a un symbole qui est très beau, là, qui va être mis en place, et je croyais que ça valait la peine de vous l'expliquer à tous. Bien sûr, donc, l'environnement est une préoccupation internationale, mais peut-être encore plus au soleil, en Provence. L'eau est importante, bien sûr, mais préserver la nature aussi. Alors, chaque invité qui viendra demain pour les vœux sera convié à prendre ce petit arrosoir et venir arroser donc devant... Ce grand écran pour tout simplement faire vivre un arbre virtuel. On aura la prétention et la chance ce soir de l'accélérer, bien sûr, pour nous. Il faudra au moins 500 convives pour arroser dans cet arbre, pour le faire pousser de cette manière-là. Voilà, c'est assez sympa. Merci. Et je crois que c'était bien à l'image quel de notre beau groupe. Geste. Si on sait l'arroser et le faire développer, eh bien, écoutez, on aura une image aussi belle que ça pour l'ensemble du groupe. Merci. Voilà, Aubagne. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci, voilà, Aubagne. Sans transition, à vous les studios. À bientôt. J'en profite, je peux pas dire un mot puisque j'ai rencontré le directeur technique de l'Agora à quelques occasions, et donc j'en profite également pour le remercier pour sa confiance, parce que je crois que on travaille avec l'Agora d'Aubagne depuis... En tout cas, moi, je l'ai toujours connu. Donc, un grand merci, et un grand merci également à Marc Souquet, qui gère ça d'une main de maître. Merci, Guillaume. J'appelle le duo de choc, sans qui cette soirée ne serait pas possible. Marie-Thérèse Lopresti et Claude Sauré sont demandés sur scène. Merci à vous. Merci à vous pour votre intervention, vos interventions. On ne dort pas beaucoup depuis 72 heures, Claude. Eh bien, oui et non. En fait, cette prestation s'est très bien déroulée. On a tenu les timings, globalement, à part le dépassement horaire pour le satellite. Mais nous sommes bien. Mais ça, c'est le client est roi. Tu es en train de dire qu'on est en retard. Oui. Bon. Mais moi, la cliente, c'est Cathy, elle est derrière, et en tout cas, ce qu'elle nous a dit, c'est qu'avec vous, ça se passe au top. Au top. Alors, racontez-nous. Bah, nous faisons un métier de l'éphémère, contrairement un peu au métier du groupe IEC. Nous, à 19h50, c'est le top départ, il faut que ça marche. Donc, on est dans les starting blocks depuis 3 jours, avec un rétro-planning. Et ce rétro-planning, il faut le tenir. Et demain, à midi, ici, c'est un espace vide. Nous sommes arrivés lundi, espace vide. Et demain midi, espace vide. Voilà. Le métier d'éphémère. Alors, parlez-nous quand même un petit peu du dispositif, parce que là, on est vraiment dans le cœur du métier de Soft Events, et il y a quand même un dispositif qui est assez étonnant ce soir, à la fois ici, mais également sur les sites distants. Donc, parlez-nous un peu du dispositif, et puis voilà, citez-nous quelques anecdotes qu'on prenne un peu de plaisir dans ce métier qui est quand même extrêmement captivant. Je vais commencer par le dispositif de la plénière. Le reste, vous le découvrirez un peu plus tard. Je vais commencer par le dispositif son. Donc, on a mis en place un système Line Array. Tout l'ensemble des ponts ont été montés lundi avec la structure écran. J'invite à voir les curieux à aller voir derrière un peu comment c'est installé. La vidéoprojection est assurée par 3 vidéoprojecteurs Barco en position verticale. Et le mapping avec un vidéoprojecteur Barco HD18 pour projeter sur le volume qui est en face de vous, plus 2 vidéoprojecteurs latéraux pour les rappels et un 3e vidéoprojecteur pour les rappels intervenants salles. Donc pour l'international et pour le national, on a installé un réseau satellite qui relie toutes les villes de France qui sont connectées et... Miami, la Grande-Bretagne et Trieste. Alors, pour la petite anecdote, les Italiens ont changé 3 fois de site. Voilà. On devait avoir la Martinique et puis on a eu la Guyane en visioconférence tout à l'heure. On devait avoir Fred Redondo sur scène et puis il est au téléphone. Voilà. S'adapter.
Agilité et s'adapter, c'est ça aussi le métier. C'est ce qu'on a fait depuis en effet 3 jours, il y a eu pas mal de changements. Et il y avait plus de fraises de Tagada sur la table au début. Vous avez un et problème. Moi je préfère les roses. Je préfère les roses. Voilà, merci. Super, merci beaucoup. Merci à ce dieu de choc que je vous demande d'applaudir généreusement. Merci messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Est venu le moment de passer à une autre étape de cette soirée, le moment des bilans, et j'aimerais appeler Hervé de Galbert sur scène, s'il vous plaît. Arrêt sur image sur le groupe. Quel est son bilan, son projet, son positionnement, éléments de réponse, Guillaume Durieux, Hervé de Galbert. Juste un mot pour démarrer, en faisant appel peut-être à un grand entrepreneur qui a transformé un petit groupe verrier de seconde zone en géant alimentaire, en géant de l'agroalimentaire mondial. Je veux parler d'Antoine Riboud. Et Antoine Riboud disait que pour réussir dans une entreprise, il fallait 3 conditions. Une idée, de la chance et une équipe. Alors, on va le prendre dans le désordre. Pour la chance, je referai appel simplement à Pasteur qui disait que le hasard ne favorise que les esprits bien préparés. Donc c'est bien dans le travail qu'effectivement on va forcer la chance et on va obtenir ces éléments-là. Donc merci à vous, c'est comme ça qu'on réussira. Deuxième sujet, l'équipe. Ben, l'équipe, c'est évidemment vous tous, hein, tous ceux qui sont ici sur le site, mais tous ceux qui sont sur tous les sites, ils sont. Et puis, il y a des patrons de filiales qu'on a tous vu défiler, qui sont ceux qui, quelque part, encadrent l'activité. Et puis, il y a également une équipe de direction qui va peut-être nous rejoindre sur le podium. Qu'on appelle maintenant l'équipe de direction, l'équipe du CODIR, qu'on applaudit. Merci, montez sur scène. Carole Olivier, bienvenue. Je vous laisse remarquer au passage la parité. Exemplaire. 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 Guillaume, bilan, projet. On a vu plein de choses. Quelle valeur, tout ce qui a défilé devant nous, c'est vraiment une richesse absolument incroyable. Et je pense que ça parle tout seul. Et finalement, c'est un groupe d'une richesse absolument incroyable. Et vraiment, toute cette création de valeur, c'est les piliers de toute la stratégie du groupe IEC. Et donc, vous l'avez vu, on a pu vraiment le vivre là, pendant cette dernière demi-heure, cette dernière heure un peu longue, semble-t-il, de regroupement de talents et d'entrepreneurs qui composent aujourd'hui le groupe IEC. Et vraiment, c'est ça la richesse principale qui fait aujourd'hui ce groupe. Et je pense qu'au fil des années, on a vraiment réussi à fabriquer un écosystème qui est en phase avec le marché d'aujourd'hui et qui est largement prêt et organisé pour aborder le futur et aborder les grands enjeux du futur. Et on a tous à l'intérieur de cela, et on le voit, et Hervé le rappelait un instant, tous un rôle assez crucial à jouer dans cette organisation et basé sur essentiellement la confiance et la solidarité. Et c'est ça qui fera qu'on atteindra globalement nos objectifs. En 2003, on était à peine 300, et en un peu moins de 10 ans, on a fait un peu plus de 10 acquisitions qui ont vraiment transformé ce qu'est le groupe IEC aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est presque 800 collaborateurs. Je pense que Sarah nous en dira quelques mots tout à l'heure. 3 continents, présents par nos réalisations dans plus de 30 pays. C'est quand même une richesse phénoménale, même s'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup d'enjeux devant nous. Il y a plus de 200 pays, donc 30. Il y a un peu de boulot pour Vincent, mais on va s'y atteler et on va vraiment l'aider. Notre cap, il est fixé depuis 2002. Et finalement, on le poursuit, on le pousse, on l'entretient. Et on était, Michel nous en a dit quelques mots tout à l'heure, on était un revendeur de produits broadcast ou de produits audiovisuels. On est devenu un intégrateur et puis un fournisseur de services. Et aujourd'hui, on prend clairement le chemin des solutions médias et du service managé. Et voilà, on a à peu près tout ce qu'il faut pour y arriver. Et
L'autre élément fondamental, c'est qu'on couvre un spectre chez nos clients qui est assez large, puisqu'on est à la fois présent dans le cœur de métier de l'entreprise, enfin de chez nos clients, je pense aux chaînes de télévision ou à l'entertainment, où vraiment on touche à l'outil de production de l'entreprise. Et en parallèle, on couvre également tous les moyens de communication et de collaboration qu'il peut y avoir dans l'entreprise. Et vraiment, quand on fait le petit parcours et qu'on voit tout ce qu'on a vu, il fallait être sacrément visionnaire en 2002 pour arriver à fixer ce cap, et encore le poursuivre aujourd'hui. Alors, vision, ambition, on vit dans un monde où la communication vidéo, elle occupe vraiment une place extrêmement stratégique au sein de nos organisations. Et moi, je dis souvent, vidéo is the new voice. Donc, voilà, je pense que quand on voit ce qui se passe, José nous parlait de mobilité tout à l'heure, ou avec nos enfants, quand ils font de la vidéo, moi, j'ai un garçon qui joue à la PlayStation et qui, en parallèle, fait du FaceTime avec ses copains. Enfin, je trouve que toute cette communication vidéo, elle est absolument incroyable. Et là-dedans, nous, on propose une offre de solutions vidéo, une offre globale de solutions vidéo professionnelles, innovantes, durable, qui facilite et améliore le quotidien et la performance de l'ensemble de leurs utilisateurs. Et cette phrase, qui se dit en quelques secondes, finalement, elle résume assez bien ce qu'est le groupe IEC et quelle est notre vision. On a une ambition, l'ambition d'être un leader dans nos métiers, dans notre écosystème, et d'être la marque préférée de l'ensemble des utilisateurs partout où on sera présent ou partout où on aura envie de développer notre groupe. Donc, si je définis quelques étapes, je dirais croissance, évidemment, efficacité, et puis leadership. Croissance par le business, par le gain de part de marché que chacun d'entre nous réalise au quotidien. Et ça, je pense qu'on le fait plutôt pas mal. Il faut qu'on continue, il faut qu'on accentue. Et Vincent nous parlera d'un certain nombre de choses qui vont vraiment nous consolider dans cette action-là. Et puis, évidemment, acquisition. Là aussi, on aura une petite intervention de Carole. Acquisition, chaque fois que ça a du sens. Et innovation, ça, c'est vraiment les trois facteurs qui permettront de continuer à faire notre croissance. Efficacité dans le quotidien, dans la réalisation de nos business, de nos opérations, donc production et coûts. On doit sans arrêt se poser cette question-là. Et puis leadership, je pense qu'on a largement évoqué les équipes, largement évoqué les hommes qui composent le groupe aujourd'hui. On n'a pas fini. Et voilà, on a des talents dans ce groupe, on a des entrepreneurs qui nous accompagnent et c'est une richesse absolument incroyable. Après, comment est-ce qu'on fait au quotidien? Comment est-ce qu'on atteint ces étapes ou ces objectifs? Bah, je dirais une stratégie de marque. Et là, Cathy, elle est sous les feux de la rampe. Une belle stratégie de marque et de communication. Et on a un beau commencement aujourd'hui de tout cela. Et on en découvrira d'autres très bientôt. Un focus sur les services. Les services, on en parle depuis toujours, depuis... voilà. Les services, c'est vraiment le mot à l'intérieur du groupe. Les services, parce que c'est ce qu'attendent nos clients. Nos clients, ils attendent des services. Pascal évoquait le besoin d'accompagnement, le besoin de conseiller, le besoin d'être à côté. Et ça, c'est fondamental. Et puis, c'est là qu'on trouvera de la valeur. Hein, on le sait tous. Une fois de plus, le chemin qu'on a parcouru depuis 2002 nous le prouve. Un développement de nos activités à l'international. On en a pris le chemin, on a de belles réalisations, on a un beau potentiel. Et puis là encore, je laisserai Vincent développer le sujet, mais l'idée est de vraiment développer nos activités internationales partout où on peut proposer nos solutions et nos services. Et puis, une phrase que vous avez dû apercevoir un petit peu en prime time à l'entrée, « One team, one company ». Souvenez-vous de ça, sans faire de focus sur d'où on vient, de quelle entreprise, finalement on est une équipe, une entreprise, un groupe, et c'est comme ça qu'on atteindra nos différents objectifs. Merci Guillaume, on vous souhaite de réussir tous ces challenges. Une chose à rajouter peut-être Guillaume? Non, de simplement, et puis j'aurai l'occasion de leur dire qu'on a une équipe formidable, une équipe de direction exceptionnelle, donc on a tout ce qu'il faut pour réussir tout ça, et ça va le faire. On va commencer à faire sa rencontre d'ailleurs. Carole, Thierry, vous êtes DAF. Le groupe a réalisé sa 10e acquisition en 10 ans l'année dernière. On dirait que la croissance externe fait partie de l'ADN du groupe. Oui, clairement. La croissance externe fait effectivement partie du patrimoine du groupe, même si le groupe connaît une croissance organique assez forte. Elle va d'ailleurs se poursuivre dans les prochaines années.
Il faut savoir que 60% des collaborateurs du groupe ont rejoint, l'ont rejoint au travers de la croissance externe, et dont la moitié en 2012. Comment s'est passée finalement cette intégration de tous ces nouveaux salariés? J'imagine que ça n'a pas toujours été facile. Non, ce n'est pas simple, d'autant que la confidentialité fait que nous ne pouvons pas communiquer à l'avance avec nos collaborateurs ou les collaborateurs de la société rachetée. Donc, du jour au lendemain, ils doivent tous trouver de nouveaux repères au sein du groupe, s'adapter à de nouveaux process et surtout adhérer au nouveau projet qui est souvent, bien sûr, plus large, plus ambitieux. Et c'est cette adhésion qui est une étape cruciale de la croissance externe qui fait que le projet va réussir, et c'est grâce à eux que le projet réussit, et jusque-là, ça s'est plutôt bien passé. Plutôt bien passé. Comment vous choisissez les sociétés qui intègrent le groupe ? Ça peut être une, bien évidemment une question d'opportunité, puisqu'il se trouve que des sociétés réputées sur leur marché, ayant un réel savoir-faire, peuvent rencontrer des difficultés et souhaiter s'adosser à un groupe plus large. Toutefois, ces sociétés intéressent bien sûr l'ensemble de la profession. Et donc, ce qui fait la différence, c'est avant tout l'histoire des dirigeants et une histoire de rencontre. Il faut que, je dirais, chaque dirigeant à la fois du groupe et de la société se rapproche pour une vision commune et dans un projet lui aussi commun. En fait, acheter une société, c'est avant tout vendre une vision et des solutions pour l'avenir, et faire en sorte que le dirigeant de la société qui est racheté se sente bien, trouve qu'il va s'épanouir davantage dans un groupe plus large. Et pour nous, leur accompagnement est primordial, que ce soit à moyen ou à long terme. On aime les accueillir au sein du groupe et qu'ils continuent l'aventure avec nous. Pourquoi c'est si important la croissance externe chez vous ? Mais historiquement, elle a façonné toute l'expertise, une bonne partie de l'expertise et l'image du groupe aujourd'hui, qu'a le groupe aujourd'hui de valeur ajoutée. Et puis, de plus en plus, on se tourne évidemment vers des exigences des clients. Elle permet des gains de productivité qui amènent le groupe à être de plus en plus compétitif sur son marché. Et d'autre part, elle permet de leur offrir des experts, des services beaucoup plus larges, et donc de leur être dévoués et de leur offrir un panel large d'activités. Merci Carole. J'aime bien quand un DAF parle de l'humain. Sarah, l'humain, c'est votre atout, c'est l'atout force. Ben en fait, aujourd'hui, la vie du groupe, comme le disait Carole, a vraiment été rythmée par les différents rapprochements. Parce que moi, j'aime pas parler de rachat, j'aime bien parler de rapprochement. Et aujourd'hui, notre richesse, c'est vous. Ce sont les hommes et les femmes du groupe. Et sur la seule année 2012, pour donner quelques chiffres, on a en fait intégré un tiers de notre effectif, soit presque 200 personnes. Aujourd'hui, nous sommes donc, comme le disait Guillaume, presque 800. Un quart de femmes, donc si la parité est respectée dans le comité de direction, on a encore du job pour l'ensemble des équipes. 29 nationalités, et ça, cette diversité et ce patchwork de compétences et de savoir-faire est une véritable mine d'or. C'est un terme que j'emploie souvent. Je trouve qu'on a vraiment sous le pied tous une mine d'or, et tous ensemble, pas individuellement. Et chaque jour, comme vous l'avez entendu dans les différents témoignages, naît de formidables synergies d'équipe, et de plus en plus autour de multiples projets. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappée dans toutes les vidéos, dans tous les témoignages, c'est cette passion que vous avez tous de votre métier. Et elle est vraie aussi bien pour ceux qui sont sur le terrain que pour les équipes support. Donc je trouve qu'on a tous ce point commun. Maintenant, le challenge et l'objectif, c'est de concentrer en fait toutes ces cultures, toutes ces histoires, ces expériences et ces savoir-faire autour d'un projet commun qui me tient et qui nous tient à plusieurs à cœur, qui est la RSE. C'est quoi concrètement la RSE? Alors la RSE,
ça veut dire responsabilité sociale de l'entreprise. Donc l'idée, en fait, c'est qu'il ne faut pas se développer au détriment des autres. Donc, c'est-à-dire qu'on évolue aujourd'hui dans un écosystème et qu'on doit prendre soin de l'ensemble de nos parties prenantes. Donc c'est soin effectivement de notre capital économique, de notre rentabilité, parce qu'on ne peut pas continuer à progresser sans créer de la valeur. C'est prendre soin de nos équipes. Et à ce titre, donc on a commencé un projet important qui a démarré par un diagnostic. Et volontairement, on a souhaité rentrer dans la RSE par la qualité de vie au travail. Donc on vous a tous interrogés sur ce thème et il y a des groupes de travail qui vont se mettre en œuvre maintenant. Un deuxième projet dont je vous parle aujourd'hui qui est nouveau, c'est la mise en place d'un système d'information RH, donc ce qu'on appelle SIRH. En gros, c'est de mettre en place un ensemble d'outils qui va permettre à chacun d'avoir, donc à vous, au manager, à la direction, donc à l'ensemble des équipes, d'avoir une meilleure visibilité sur ce que vous vivez au quotidien et sur votre évolution dans le groupe. Donc voilà, c'est un pas important l'ensemble des équipes et pour les RH. Ensuite, c'est prendre soin de nos partenaires, donc grandir avec eux et eux avec nous. Et enfin, prendre soin de notre environnement pour préserver le monde de demain. Donc moi, je suis convaincue que c'est tous ensemble qu'on peut progresser dans nos pratiques et nos comportements. Et en conclusion, j'ai choisi une devise pour réussir cet engagement avec vous, une phrase que j'affectionne particulièrement, qui est « L'essentiel est invisible pour les yeux et on ne voit bien qu'avec le cœur ». Donc je vous propose qu'on mette tous un peu de cœur dans notre quotidien et dans nos actions. Merci Sarah. Merci. Vincent Lauré, vous êtes le développeur du groupe en France, à l'international. En quoi consiste votre mission, Vincent ? Mais bonsoir à toutes et à tous. Avant tout, je voudrais quand même remercier Hervé et Guillaume qui m'ont donné l'opportunité de rejoindre ce très beau groupe et, comme dit Guillaume, cette bonne grosse PME très sympathique. Alors, je m'occupe de cette cellule business development pour trois principaux points. D'abord, donner une vision 360 degrés et le plus en amont possible de l'ensemble de nos clients et des affaires que nous traitons. Et ce n'est pas toujours une mince affaire. C'est aussi pour qu'on arrive à travailler tous ensemble dans la plus grande transparence possible. Je vois encore parfois quelques petits silos ou des choses comme ça. Et à ce sujet, le comité de direction ici présent, a pris la décision de déployer un outil que je crois assez efficace, qui est un outil de relation client, qui s'appelle Salesforce, sous le nom du projet Quartz. Et je pense que grâce à des outils comme ça, ça va nous permettre de mieux nous structurer et avoir cette vision. C'est aussi pour nous, dans cette cellule, le but avec les hommes et les femmes qui la composent, c'est d'améliorer notre taux de transformation des affaires sur lesquelles nous travaillons en amont. C'est d'avoir des meilleurs process et puis c'est une mutualisation des ressources et des compétences en avant-vente qui sont expertes et reconnues dans leur métier. Il y a une chose qui me surprend très agréablement tous les jours, du moins dans la partie corporate où j'ai mon bureau, c'est le nombre de business entrants qu'il y a et parfois on a du mal à y répondre, c'est fou mais c'est comme ça, et donc il faut qu'on se structure encore mieux pour aller plus vite, pour être plus serein et puis amener toujours plus de valeur à la fois surtout pour nos clients et ça aujourd'hui mais également demain dans le futur et que leurs problèmes soient la fera nos problèmes aujourd'hui, mais également demain. Et donc la mission de cette cellule et des personnes qui la composent, c'est de rendre en finale notre offre plus lisible, d'être connue sur nos marchés cibles, comme l'a expliqué Stéphane avec son humour inimitable dans la muséo, l'affichage numérique, mais aussi la gestion des assets vidéo et tous nos métiers, puis bien plus encore dans le futur. Et je pense qu'il y a plein d'idées dans ce groupe.
Enfin, le but, c'est vraiment d'être mieux connu, d'être reconnu auprès de l'ensemble des partenaires, que ce soit les fournisseurs qui sont là ce soir, bien évidemment les clients, mais aussi les architectes, les décorateurs, les BE, les consultants, les constructeurs. Bref, il faut qu'on arrive à évangéliser tout notre spectre d'activité et puis pouvoir accompagner tous ces partenaires depuis la conception, la réalisation, l'exploitation et évidemment la maintenance. Et grâce à ça, comme ça a été dit aussi au préalable, c'est le meilleur moyen d'anticiper tous les nouveaux besoins en termes d'usage, de confort et d'amener toujours plus de valeur en équipe avec nos clients. Et l'export dans tout ça, Vincent ? Eh bien, l'export, comme l'a dit Guillaume, on a fait des très belles choses dans plus de 30 pays au cours des trois dernières années. J'en profite pour remercier tous ceux qui ont contribué dans ces projets-là, parce que c'est souvent assez délicat à réaliser, pas toujours des conditions super faciles, et quand on est loin de son camp de base, c'est pas toujours simple. Mais l'activité export aujourd'hui représente environ 20% du CA total du groupe. Il y a des différences suivant les activités, bien évidemment. Et le but, et pourquoi j'ai rejoint le groupe, c'est d'arriver à mieux s'ancrer dans les environnements économiques locaux, de manière à pouvoir développer plus de synergie lorsqu'on a fait des réalisations et pouvoir proposer nos services dans la durée et comme ça cultiver et aller plus loin. Bien sûr, on regarde toutes les opportunités. On va parler un petit peu de l'Angleterre après, mais aujourd'hui, on a maintenant un focus sur l'Afrique. Je pense que c'est un des marchés émergents les plus évidents dans les années qui viennent, qui a une grosse source de potentiel. Si on prend juste le monde du broadcast, ils vont passer en TNT dans les années qui viennent, en 2015. Ils passent en HD et ainsi de suite. Et il y a plein de choses à faire. On le voit tous les jours. Et puis, à ce jour, on a encore une vision assez partielle quand même de ce potentiel, comme le disait Guillaume. Et on doit élargir notre vision. Et grâce à des choses toutes bêtes, comme par exemple la mise en place d'un suivi mensuel, bien, en englobant la vision anglo-saxonne, on a réussi à multiplier notre potentiel quasiment par deux. Mais je pense que j'ai assez parlé comme ça. Maintenant, je vous propose de regarder de l'autre côté du miroir et d'écouter ce que notre groupe peut représenter pour un acteur anglo-saxon. Hello, UK, BN Team, Tom, can you tell us what do you think about that? Bonsoir, madame et monsieur. Bonsoir, Vincent. It gives me great pleasure to welcome you all to the other side of the mirror here at Broadcast. Plaisir de vous souhaiter la bienvenue chez nous à Alton, en Angleterre. Merci d'avoir invité BN à cet incroyable événement. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas eu le plaisir de me rencontrer, je suis Tom Hayes, le directeur général de Broadcast Network. Je suis là avec mon nouveau partenaire, Mark Robinson, et toute l'équipe ici. Nous sommes le dernier ajout à la famille IEC, mais ça n'aurait pas été possible sans la confiance et le soutien de Carole, de Guillaume et bien sûr de vous, Vincent. Malcolm et son équipe de production live de Sony nous ont rejoints l'an dernier et nous avons créé l'un des systèmes d'intégration de dernière génération. Les personnes que vous voyez ici sur scène et en coulisses, comme vous pouvez le voir dehors, ont rendu tout cela possible et c'est cela qui rend BN si spécial. Depuis que nous avons rejoint le groupe IEC, Malcolm et moi avons été vraiment passionnés par l'appartenance à cette entreprise où l'on met l'humain au cœur de tout et où la valeur individuelle est gage de réussite. Nous avons aussi bénéficié du soutien d'IEC. Nous avons eu un contrat pour deux véhicules de commandement-contrôle pour l'aide aéronautique. Nous avons aussi créé un groupe de réflexion Blue Sky où des visionnaires de toutes les entreprises d'IEC se rassemblent pour développer de nouvelles idées de façon créative et développer des solutions. Et j'ai la chance de faire partie d'un groupe aussi incroyable, avec beaucoup d'expérience sur laquelle capitaliser. Nos entreprises vivent de nos ventes, et comme on l'a dit auparavant, les occasions de vente nous garantiront un avenir prospère à nous et à tous les collaborateurs. La clé de la réussite, c'est de développer nos territoires et avec l'aide de notre nouvelle équipe, vous, nous pouvons développer notre offre pour de nouveaux clients. J'espère que vous serez, que vous êtes encore avec nous de l'autre côté du faisceau. Je sais que je n'avais que 2 minutes pour vous parler, mais c'est un tout petit aperçu de ce que nous faisons dans le groupe IEC. Dans l'équipe, nous sommes vraiment passionnés. Merci infiniment. Thank you so much. Thank you for keeping the time.
I just want to say a word because it's really terrific to have the opportunity to work with you, and it's always a pleasure to hear from you, Tom. So we are very short in time, so let's go on, but it would have been a pleasure to be much longer. Merci Tom, en tout cas. Olivier Rousselière, votre motivation aujourd'hui, tout le temps, tous les jours, c'est l'innovation, c'est la recherche, le développement. Oui, nous avons depuis toujours une conviction, c'est que l'innovation est la source en fait de la compétence et du développement pour l'entreprise, et que ça permet d'offrir, et vous l'avez entendu dans les propos de tout le monde aujourd'hui, sans innovation, l'entreprise n'a pas d'avantage concurrentiel et il faut proposer d'autres produits. C'est pourquoi on a choisi... Merci Vincent. Vincent, c'est de perturber Olivier. Ah, putain. Allez-y, Olivier. C'est pas grave. C'est pourquoi depuis plus de 10 ans, on a souhaité créer à l'intérieur du groupe IEC un laboratoire d'innovation. Et ce qui a été chose faite depuis l'été 2013, et qui a déjà vu quelques projets aboutir. Le dernier en date, c'est mené par Nicolas Seran et Dimitri, qui doivent être dans la salle avec nous ce soir. C'est un projet qui a été d'une application mobile pour un client Infinity, qui a permis en fait à la BU Affichage Dynamique de vendre ce projet, qui va être déployé dans toutes les agences Infinity dans le monde pour les forces de vente. Un certain nombre d'autres projets sont en cours, et entre autres un qui nous tient à cœur, qui est la mise en place d'une charte graphique pour l'ensemble de nos clients sur les tablettes, sur tout ce qui est pilotage, fait par des ergonomes et des graphistes évidemment. On va profiter ce soir aussi pour lancer un nouveau projet dans le lab, qui est la mise en place d'un incubateur de start-up, mais qui sera dédié à la fois à l'interne et à l'externe. Et pour ce faire, dès demain matin, tous les collaborateurs du groupe IEC pourront retirer un dossier de candidature qu'ils pourront présenter, qu'ils auront jusqu'à fin mars pour présenter, et une commission se tiendra au mois de juin pour décider des dossiers qui sont retenus, et ils seront dédiés à plein temps au projet s'il est retenu. Très belle initiative. Voilà. Merci Olivier. À vos projets, soyez créatifs, soyez généreux en idées. Cathy, bah toi, tu as rejoint le groupe en janvier 2013. Alors, moi, je sais qu'on est hyper tenu par le timing. Donc je vais faire super vite. Vas-y, Cathy. J'ai rejoint le groupe en janvier de l'année dernière avec pour mission d'élaborer une stratégie de marque. Et cette stratégie, elle avait pour triple objectif de simplifier la lecture de notre offre, d'asseoir notre positionnement service et d'accompagner notre développement à l'international. Alors, pour atteindre ces objectifs, et puis pour que cette stratégie elle soit bénéfique par tous, il fallait avant tout qu'elle soit portée par tous. Et du coup, on a eu la chance de pouvoir associer à notre projet tous les patrons de filiales, que je vous propose de retrouver tout Allez, de suite en bas de la scène. Donc là, j'ai à peu près réduit de 10 minutes. Je ne sais pas si vous avez vu un régime, une performance, mais quand même. On appelle les patrons de filiales avec nous. À nous rejoindre. Parce qu'on a réfléchi à un petit projet avec vous. Vous avez suivi les étapes. Prenez place, Civic. Et donc, on va voir ensemble, en images, le résultat de notre travail. Et je vous propose qu'on fasse un décompte tous ensemble. Au 5, 4 3, 2, 1, 0. Allez. We'll be right back.
Vinelio sous vos applaudissements. On remonte tous ? Alors, Benoît. Tous, je ne sais pas si on va pouvoir tous remonter. Allez, parce que j'ai vite. Quand même maintenant encore quelques petits mots à dire. Il y a d'autres scoops apparemment. Non, enfin, oui, d'autres scoops, mais alors, je voudrais juste expliquer deux, trois choses quand même par rapport à ce changement, parce qu'il est assez structurant pour l'ensemble d'entre nous. Il y a des modifications évidemment de l'architecture de marque, puisqu'on part maintenant avec une marque ombrelle qui s'appelle Vidélio. Soft Events a changé de nom et s'appellera désormais Vidélio Events. Alors donc, en quelques mots, je vais juste essayer de vous expliquer tous ces changements. Déjà, le nouveau nom, il exprime notre cœur de métier, la vidéo. Puis si on veut être un peu culturel, vidéo en latin, ça veut dire « je vois ». Il a des sonorités douces, amples et musicales qui lui confèrent de l'empathie. C'est un nom signifiant, facilement mémorisable et international. Il est porteur d'un trait de caractère humain, et je crois qu'on l'a assez dit, l'humain chez nous, c'est assez important. Un nouveau logo, bien qu'on a conservé quand même notre élément fédérateur, le play. Des nouvelles couleurs, le gris pour la technologie, qui se marie pas mal avec le rose pour la créativité. Alors j'ai dit rose. Hein, la ville rien rose. À voir avec ma ville d'origine, non. Rien à voir. Rien. Et puis une signature, ensemble voyons plus loin. Une promesse de partenariat, de partage, et surtout une ambition de proposer des solutions d'avenir. Donc, des changements, ça se traduit aussi par des outils. Puis je voudrais que mon équipe me rejoigne. Catherine, Mélanie, sur scène. Nicolas. Je ne sais pas si Julien est par là, je ne l'ai pas revu. Allez, on appelle l'équipe marketing sur scène. Allez, approchez. Applaudissements, très beau boulot, bravo. Bravo, ouais, à tous. Parce que c'est vrai que c'est en quelques mois, on a vraiment accompli un travail de dingue, comme on dit chez moi. Et du coup, on a aussi une nouveauté qu'on va mettre en ligne ensemble. Ah. Un site internet. Donc nous allons découvrir un site internet qui est forcément le nouveau site internet de votre nouvelle marque que nous allons voir en live, en direct. Et là, il faut que ça marche. Mais ça va marcher sans aucune inquiétude. Alors, nous allons découvrir ce beau site internet. Alors ce site internet, en fait, il y a trois mots qui pourraient le décrire. Différent, simple et interactif. L'objectif, c'était de créer un espace sur lequel l'ensemble de nos métiers pourraient être représentés. Et du coup, alors là, on est de nuit, on est dans notre ville de nuit. Demain matin, vous vous connecterez, on sera de jour. C'est super drôle. Ça change en fonction du jour et de la nuit. Et alors après, on aura l'hiver, l'été, les saisons, tout excellent, ça. Enfin, excellent. C'est un concept... Et donc, quand on clique sur les bâtiments qui sont éclairés, on a des images qui illustrent nos réalisations. Voilà, donc on peut se balader à loisir. Je ne vais pas perdre du temps à tous les faire parce qu'on est vraiment pris par le temps. On a une Web TV ici et normalement, si je clique ici... Voilà. Le live on est de l'événement. Sur notre streaming. Applaudissements, quel joli site internet. Il est en ligne ? Cathy, il est en ligne. Donc là, maintenant, alors, grosse annonce, que super importante. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Attendez. Nous sommes tous sur les réseaux sociaux, c'est ça que vous voulez dire. Il faut tweeter. Il y a un impératif, c'est tweeter. Et Facebooker, il faut liker. Et Facebooker. Donc, le site Facebook, la page Facebook est en ligne. Elle est en ligne. Vidélio. Et notre compte Twitter est également en ligne. Donc, on vous invite largement à aller commenter, donner votre avis, publier des photos, etc. Voilà. Que vive Vidélio sur le web et puis au quotidien, évidemment. Donc, pour qu'il vive au quotidien, ça nécessite votre implication à tous. Vous allez avoir pas mal d'outils. Benoît est là-haut en train de mettre à jour toutes nos adresses mail.
Normalement, ça doit se faire pas mal. Et ça fonctionne. Voilà. Donc, et puis après, demain, vous aurez d'autres surprises et d'autres moments forts. Voilà, je voulais vraiment vous remercier à tous les quatre, parce que c'était une belle aventure. Et c'est que le début. On a bien galéré, mais on s'est bien éclaté quand même. On vous remercie aussi pour ces nouveautés. Applaudissements, s'il vous plaît, pour ce magnifique site internet. Guillaume, à vous le mot de la fin. Bon, c'est toujours difficile d'établir une conclusion. Il y en a jamais une. Elle est jamais complète. Et comme effectivement le temps presse, moi je voudrais simplement vous remercier tous d'avoir activement participé et d'avoir découvert ce nouveau nom Videlio, qui est un groupe fort parce que nous sommes ensemble et que notre stratégie s'inscrit dans le temps. Et puis, on a beaucoup partagé sur le One Team, One Company, sur les hommes, sur l'humain. Et je dirais à nouveau, play as a team, pour également porter ce nouveau groupe dans le futur et dans son développement. Et évidemment, je vais pas être trop long, mais je voudrais adresser des remerciements. Je commencerai quand même par vous, par nos clients, par nos partenaires, et puis des pensées particulières à l'égard évidemment de Cathy et de son équipe, qui ont effectivement effectué en un an un travail incroyable. Incroyable, c'est fabuleux et ce nom est extraordinaire. Des remerciements à l'équipe technique. Et là, je vais là encore remercier Marie-Thérèse, Claude Sauret et puis toute l'équipe autour d'eux qui ont construit cet événement. Et là encore, c'était fabuleux. Et quand j'entends tous les compliments qui peuvent être faits ci et là, c'est vraiment extraordinaire. Je ne sais pas si je faut que cite tout le monde, mais voilà, ils ont été top. Et il y a également beaucoup de provinciaux qui ont participé. Marie-Thérèse est basée à Lille, Claude est basée à Paris, Jean Canlon à Toulouse a participé. Et bien d'autres, et je m'excuse si j'ai pas tous les noms en tête dans ces moments un peu émouvants. Et puis je voudrais aussi dire un petit mot à notre réalisateur Jérôme Ledoux, sans qui également et qui a largement contribué à la création de cet événement, des contenus, du mapping vidéo qui a été fait. Et c'est aussi une belle rencontre pour moi, parce qu'on avait fait connaissance avec Jérôme, et je trouve que le job est également parfait. Voilà, j'en finis là. Simplement maintenant, on passe à l'étape 3 de la soirée. On a une petite fête à vous proposer, évidemment un petit dîner debout, mais en tout cas voilà, et de bien s'amuser, de bien partager, et j'oublie l'essentiel, c'est l'ensemble de nos sites, l'ensemble des collaborateurs sur le voilà. Et si on pouvait d'ailleurs avoir bien la mosaïque, sûr. Est-ce qu'on peut si avoir la mosaïque, voilà, ils sont là. Bonsoir à tous. Les Rennais sont parfaits. Lyon également. Il y a des drapeaux en Bretagne, bravo! Superbe! Ouais, c'est top, c'est vraiment top. C'est vraiment top. C'est vraiment une belle soirée, c'est un beau public, voilà, des bons moments et beaucoup d'avenir. Merci Guillaume, je vous souhaite de vivre de belles aventures. Merci de votre attention, je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt, bye bye!